Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre programmée par la Bibliothèque publique d'information. Alors ce soir, je suis très heureux en plus que nous puissions conclure le cycle sur la préhistoire en salle, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain nombre de mois. Donc nous poursuivons et nous concluons ce soir le cycle Dernières nouvelles de la préhistoire avec une rencontre consacrée au nouveau regard sur les arts préhistoriques. Et donc pour cette rencontre, je suis ravi d'accueillir Jean-Loïc Lequellec, Carole Fritz et Francesco Derico. Mais je laisserai Claudine Cohen les présenter plus en détail que je ne peux le faire pour le moment. En revanche, Claudine Cohen, tout le monde ne vous connaît peut-être pas, donc je vais vous présenter. Vous êtes historienne et philosophe des sciences, spécialiste des sciences de la préhistoire, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'École pratique des hautes études Paris Sciences et Lettres. Vous avez écrit de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels je n'en citerai que quelques-uns. La femme des origines chez Belin-Herscher en 2003, réédité en 2020. Un néandertalien dans le métro, au seuil en 2007. Femme de la préhistoire chez Belin en 2016 et réédité en 2019 chez Taillandier. Et votre tout dernier ouvrage qui est paru au mois de mars dernier, 2021. Nos ancêtres dans les arbres, penser l'évolution humaine. Alors avant de vous laisser la parole, je vous invite à préparer vos questions pour les personnes qui sont dans la salle et pour les personnes qui sont en ligne, qui nous suivent sur Facebook, à poser les questions via le chat de Facebook et nous pourrons en prendre quelques-unes en ligne que je pourrai retransmettre à nos intervenants ce soir. Très bonne soirée. Merci beaucoup Sébastien. Et pour moi aussi, c'est un très grand plaisir de vous retrouver ici, en vrai, en personne, pour la dernière séance de notre réflexion sur la préhistoire et son actualité. Nous avons réfléchi d'abord sur l'évolution humaine avec des paléontologues et des généticiens. Nous avons réfléchi ensuite sur les sociétés humaines et les cultures préhistoriques et leur devenir. Et nous consacrons donc cette séance à l'art préhistorique et singulièrement à l'art paléolithique, l'art des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, avec nos trois invités qui sont de grands spécialistes du domaine, Francesco Derico, Carole Fritz et Jean-Loïc Lequellec. Alors, vous savez sans doute que c'est autour des années 1860 que fut révélée, en particulier par les travaux de Boucher de Perthes et d'autres, l'existence d'une humanité très ancienne qui avait cohabité avec le mammouth, l'ours des cavernes ou le rhinocéros laineux, qui les avait affrontés avec de frustes armes de silex taillé. Et c'est à peu près autour de ces années, très tôt, qu'on commence à trouver des objets qui prouvent qu'ils ont su représenter par la gravure, par le dessin, par la sculpture, sur l'os, sur l'ivoire, sur les bois de Rennes, ces animaux mêmes dont on savait qu'ils les avaient côtoyés. Et ainsi, le fameux mammouth de la Madeleine, trouvé en 1864, faisait la preuve que ces hommes de la préhistoire avaient connu cet animal iconique, le mammouth, et l'avaient figuré sur une plaque d'ivoire de mammouth, faisant ainsi une preuve multiple de leur contemporanéité. Ils ont aussi sculpté des statuettes en os ou en ivoire, représentant en particulier des corps de femmes aux proportions souvent volumineuses. Et il y a ainsi tout un ensemble d'objets qu'on appelle l'art mobilier et qui représente ces cultures du paléolithique supérieur. Alors, il fut beaucoup plus long et difficile d'accepter la peinture pariétale, l'art des grottes, et il fallut en particulier un quart de siècle pour admettre l'authenticité préhistorique des peintures de la grotte d'Altamira, du plafond d'Altamira, tant leur maîtrise, la maîtrise des formes, des couleurs, leur composition et leur beauté flamboyante contrastaient avec la vision qu'on avait encore de ces hommes sauvages du passé profond. C'est en 1902 que Breuil et Cartaillac font leur mea culpa et reconnaissent pleinement l'existence des grottes ornées. Et à partir de là, les découvertes se multiplient, aussi bien dans le Périgord avec les Combarelles, Fonds de Gaume, etc., que en Ariège avec les grottes des Trois Frères, de Niaud, de Gargasse et bien d'autres encore. Ces découvertes émerveillent le public
et éblouissent et inspirent aussi les artistes, comme l'a montré la belle exposition qui a eu lieu ici il y a 2 ans, hein, La préhistoire, une énigme moderne, qui a révélé, œuvres à l'appui, l'impact des découvertes d'art paléolithique sur les artistes de la modernité, comme Miro, Matisse, Picasso, Brassai, Giacometti, etc. En 1940, c'est la découverte de Lascaux qui illumine une France en déroute. Avec son plafond au taureau polychrome, avec ses grandes vaches, ses chevaux galopants, ses cerfs nageants, ces fresques de Lascaux apparaissent au monde entier comme un sommet absolu de l'art paléolithique et peut-être même comme un sommet de l'art tout court. Elles suscitent ces fresques de nombreux travaux, d'abord ceux de l'abbé Breuil, qui s'emploie à relever, à faire des relevés sur calque de ces images avant que la photographie ne permette d'en donner une image précise et en couleur. Et puis ensuite, ce seront les travaux plus sophistiqués d'Annette Laminois-Prère, de Leroy Gourhan, qui vont s'attacher à étudier avec des statistiques la distribution des images dans les grottes, leur localisation dans l'espace même de la caverne. Pourtant, et à ce moment-là, donc, on pense qu'un sommet est atteint, mais pourtant d'autres sommets étaient encore à découvrir. Et en 1994, la grotte Chauvet, bien antérieure à Lascaux, elle a été datée de plus de 15 000 ans avant Lascaux, offre la vision d'une maîtrise exceptionnelle dans la représentation des animaux, avec des troupeaux qui semblent animés de mouvements presque cinématographiques. D'autres découvertes importantes ont eu lieu depuis, celle de Cussac, par exemple, dont on dit que c'est le Lascaux de la gravure, ou encore tout un ensemble d'art mobilier qui a été exhumé sur le site allemand de Hollefels. Alors, les recherches, dans le même temps, se sont multipliées, développées. Si elles furent souvent fréquentées par des amateurs qui trouvaient des grottes dans leur cave ou des statuettes dans le creux d'un chemin et qui proposaient des interprétations parfois un peu hasardeuses, l'étude de l'art paléolithique s'est aujourd'hui professionnalisée. Elle fait appel aux relevés statistiques, à des techniques sophistiquées pour les datations absolues, pour l'identification des pigments, des techniques, à travers la tracéologie, l'ichnologie, etc., ouvrant sur la possibilité d'interprétations renouvelées. L'expérimentation, ou même la réalisation des facsimilés, nous en apprend beaucoup sur les procédures cognitives, les modes de réalisation des objets et des peintures. Et évidemment, je fais ici référence aux très beaux travaux du grand préhistorien qu'est Michel Lorblanchet, un des meilleurs spécialistes de cet art paléolithique, et qui a beaucoup pratiqué l'expérimentation. Plus encore, l'étude de l'art parvient aujourd'hui à interroger les formes sociales qui ont pu rendre possibles ces réalisations. Elle questionne l'identité de ces auteurs, hommes ou femmes. Elle questionne aussi la place sociale des artistes, les significations symboliques, mythiques de ces œuvres et des symboles qu'elles portent dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui les ont produites. Enfin, elle soulève une question qui, au fond, se situe un peu en filigrane de toutes les interprétations sur la préhistoire, qui est celle de l'origine. Question difficile, question qui rejoint aussi souvent celle des mythes, mais qu'on a toujours envie de poser. Quelle est l'origine de l'art paléolithique? Quelles sont ses premières manifestations? À quand remontent les plus anciennes réalisations d'art, l'art le plus ancien? Il semblait évident il y a peu que, et c'est l'abbé Breuil qui avait insisté sur ce point, que l'art naissait à l'aube du paléolithique supérieur avec l'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale, il y a quelque 40 000 ans. Aujourd'hui, cette certitude se fissure de toutes parts. On sait que l'origine d'Homo sapiens est de plus en plus reculée, on date de 300 000 ans les premiers sapiens, et on trouve dans de nombreux sites des traces bien antérieures aux 40 000 ans qui étaient jusque-là, qui marquaient cette origine en Europe occidentale. On trouve aussi des marques, des signes géométriques, des pigments associés à Néandertal et utilisés par les Néandertaliens. Et donc se pose à nouveau la question de savoir qui fut le premier artiste, comment penser ces premières manifestations de l'art.
Pour aborder cette question, je vais donc donner la parole au premier de nos orateurs, qui est Francesco De Rico. Francesco est un préhistorien au CNRS. Il travaille dans le cadre du laboratoire Passea de Bordeaux, mais aussi il travaille de façon tout à fait internationale en Afrique et dans beaucoup d'autres sites mondiaux. Et c'est lui-même un préhistorien, un chercheur de renommée mondiale. Et d'ailleurs, j'ai lu que c'était le chercheur français en sciences sociales dont les travaux sont les plus cités dans le monde. Voilà, c'est quelque chose. Ses travaux sont d'une acuité et d'une finesse extraordinaires. À travers l'usage de méthodes et d'instruments sophistiqués et de techniques sophistiquées, il sait poser les bonnes questions pour ouvrir chaque fois sur des conclusions de très vaste portée sur la cognition des hommes fossiles, sur les formes culturelles et sociales, sur leurs relations avec leurs environnements. Ces travaux actuels, donc, remettent en question le modèle longuement accepté d'une révolution symbolique correspondant à l'arrivée des hommes anatomiquement modernes en Europe il y a 40 000 ans. Ils ont démontré que des parures, des gravures, des pigments étaient déjà utilisés en Afrique il y a au moins 80 000 ans, remettant ainsi en cause les scénarios traditionnellement admis pour l'origine des comportements modernes. Francesco m'a proposé de présenter l'actualité de ses recherches des deux ou trois dernières années. Et vous allez voir cette actualité est extraordinairement riche, abondante et passionnante. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Je vais me déplacer. Je suis, comme vous imaginez, offusqué et confus par la présentation de Claudine. Et j'espère de ne pas vous décevoir avec la présentation, après ces beaux mots qu'elle a dit de moi et de mon parcours. Donc ce que je vous propose, c'est une sorte de tour du monde de 20 minutes dans mes activités, mais pas seulement. C'est plutôt un tour du monde dans ce que des articles... C'est un peu un tour du monde dans ce que les travaux à moi et à d'autres ont mis en évidence sur l'émergence des cultures matérielles symboliques. Je parle de culture matérielle symbolique et pas d'art préhistorique, parce que, comme vous savez bien, le concept d'art, c'est un concept assez vague, tandis que le fait de s'intéresser à des cultures matérielles symboliques permet de effleurer des questions qui me semblent intéressantes, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que nous sommes la seule espèce qui a été capable de créer des symboles, ou est-ce que nous avons partagé en partie ou entièrement ces capacités avec d'autres membres de notre genre, de notre lignée. Donc, en effet, ce qu'on a fait, ça représente bien une pensée, une culture matérielle symbolique, mais pas nécessairement ce que la culture occidentale, depuis la Renaissance, appelait de l'art. Donc, je commence tout de suite avec ce petit parcours, et je vais commencer de l'Asie. En Asie, il y a eu, au cours des derniers 2-3 ans, plusieurs découvertes. Donc, vous avez ici certains de ces objets, mais je n'en parlerai pas de tous. Certains d'entre vous, peut-être, ont lu ou entendu parler d'un article que nous avons publié il y a déjà 3-4 ans dans Nature, et qui montre qu'à Trinil, à Java, Homo erectus, il y a 450 000 ans, a gravé un zigzag sur un coquillage, sur une moule d'eau douce. Et il a fait ça assez précisément. Et les travaux que nous avons menés l'ont redaté le site, mais aussi montré que ce n'était pas la seule activité. C'est-à-dire qu'en effet, il ramassait systématiquement ces coquillages pour les manger. Et il avait même inventé un système pour pouvoir les ouvrir sans les casser en faisant une perforation dans l'emplacement du muscle adducteur. Mais dans un cas, il a aussi fait une gravure abstraite. C'est actuellement la plus ancienne gravure abstraite connue. Récemment, nous avons aussi publié deux pièces d'un site qui s'appelle Linjing en Chine. Il s'agit de deux ossements, mais c'est l'intérêt de celui-ci, c'est que c'est un ossement qui a été gravé avec une pointe, donc les traits ne sont pas des traces de boucherie, et que les gravures ont été faites sur un os qui était déjà fossile, donc il n'y avait plus de chair attachée. Et on a aussi vu qu'il y avait des résidus d'ocre, de pigments,
à l'intérieur des traits, et ce pigment ne semble pas pouvoir venir du sédiment, parce que le sédiment a une composition totalement différente. Et donc c'est un site, peut-être c'est une aire denisovienne, parce que les restes humains trouvés, il a été proposé que les restes humains, même s'il n'y a pas d'information génétique, pouvaient appartenir à la lignée denisovienne. Une découverte dans laquelle je ne rentre pour rien, mais qui est une découverte majeure des dernières années, c'est la datation dans plusieurs sites en Indonésie, qui montre qu'il y a une tradition d'art pariétal en Indonésie, figuratif et extrêmement ancienne, qui peut remonter à 43 000, 44 000 ans. C'est donc les peintures qui sont datées par des spéléothèmes, des résidus, des couches de calcite qui sont datées. Et donc cela fait l'objet de trois articles qui sont devenus très importants dans Nature. Et même dans la dernière publication, on a l'impression qu'il y a une scène qui met en jeu des humains, peut-être même des humains appelés ou interprétés par les collègues comme des thériatropes, c'est-à-dire des figures mi-humaines, mi-animales, en relation avec un bovidé. Il y a aussi une découverte qui, en effet, n'est pas encore entièrement publiée. Les collègues qui fouillent le site important de Denisova, que vous probablement connaissez, c'est-à-dire le site qui a donné la naissance à une nouvelle espèce, donc on est très peu morphologiquement, mais quand même on a une très bonne, des bonnes séquences génétiques, ils ont présenté dans un site web la découverte d'un objet en ivoire qui interprète comme un grand félin qui est décoré avec des entailles. Ils disent que c'est vieux de 40 000 ans, mais en effet, on attend une publication pour savoir en effet à quoi correspond cet objet qui rappelle étonnamment des figurines semblables en ivoire de l'aurignacien allemand qui peut-être ont la même date de la même époque. J'ai moi-même travaillé sur un tout petit objet figuratif d'art mobilier qui n'a rien de très ancien, il est daté à 13 500 ans, mais il est intéressant parce que c'est en effet la plus ancienne œuvre d'art, si on veut, figurative de Chine et d'Asie de l'Est, et c'est un petit oiseau qui fait 1,5 cm de taille, mais qui a été façonné de manière extrêmement précise par l'artiste chinois qui l'a fait il y a 13 500 ans. Nous avons identifié 44 petites facettes façonnées avec 4 techniques différentes qui ont permis à cet artiste de façonner un os qui avait été préalablement chauffé dans un environnement réducteur, c'est-à-dire en absence d'oxygène, pour pouvoir le noircir et à la fois garder sa consistance et sa dureté. Je passe à l'Afrique. En Afrique, bon, je rentre, comme Claudine a rappelé, on savait depuis plusieurs années que des hommes probablement modernes, disons sur la voie de l'acquisition de l'ensemble des caractères anatomiques modernes, avaient produit des comportements symboliques très anciens. Une chose qui touche beaucoup, si vous observez ces cartes de l'Afrique, c'est qu'en effet, les sites qui ont livré ces comportements nouveaux sont soit sous la côte marocaine, soit en Afrique de l'Est, tout le long de l'Afrique de l'Est et surtout en Afrique du Sud. Quelle nouveauté il y a ici? D'une part, il y a des nouveaux sites qui ont permis de montrer qu'il y a en Afrique une utilisation d'ocre, de pigments rouges, qui date d'il y a au moins 300 000 ans. Cela a été connu dans des sites un peu comme Twin River ou comme Katupan, Van der Vecht, mais il y a 2 ans, nous avons publié des fragments d'ocre avec des stries des modifications volontaires des couches Mid-Stone Age d'un site très connu pour l'Achéléen qui s'appelle Olorgesail au Kenya. Donc il y a bien une utilisation, mais même si cette utilisation de colorants rouges s'accélère énormément en Afrique à partir de 150 000 ans, 100 000 ans, où presque tous les sites du Mid-Stone Age avec des outils en pierre ont aussi de l'ocre modifié. Il était connu qu'en Afrique, des hommes modernes utilisent des objets de parure dont les plus anciens viennent du Maroc et datent d'il y a 120 000 ans. Et un peu plus récent, en Afrique du Sud, par exemple à Blombo, c'est autour de 70 000 ans. Mais une caractéristique de ces objets, c'est qu'on utilise presque exclusivement une seule espèce.
Et c'est pour la première fois, l'année dernière, qu'on a pu montrer dans le site de Siboudou, qu'au contraire, il y a un changement dans les espèces de coquillages utilisées le long de cette stratigraphie qui va d'environ 80-85 000 ans jusqu'à 10 000 ans avant le présent. Donc, on ne dirait pas que partout il se passe la même chose d'un point de vue des objets de parure. On a aussi repris l'étude d'un coquillage qui est en effet le plus ancien cas d'un objet de parure associé à une sépulture. C'est d'un site qui s'appelle Border Cave, c'est un site que nous sommes en train de fuir actuellement, qui est à la frontière entre l'Eswatini, l'ex-Swaziland et l'Afrique du Sud. Et on a pu montrer donc que effectivement cet objet était associé à la sépulture, qui porte des traces d'ocre. Et en plus, on a changé l'attribution spécifique de l'objet. Et un autre site sur lequel on est en train de travailler, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'on a publié il y a deux semaines un article dans Nature sur la plus ancienne sépulture d'un enfant. Mais en effet, ce site est aussi intéressant d'un point de vue des comportements symboliques, parce que c'est un site dans lequel on trouve un objet de parure nouveau qui est en effet une perle naturelle qui proviennent de l'altération d'un genre de coquillage qui appartient au genre Conus et que les habitants allaient ramasser sur la mer donc, pour en faire des petites perles qui couvraient aussi d'ocre à partir de 60 000 ans, même si dans la couche la plus profonde, il y a un seul de ces objets qui était trouvé. Et peut-être vous connaissez le site de Blombos, c'est un site dans lequel il y a beaucoup de découvertes, y compris des fragments d'ocre avec des motifs géométriques. Mais la découverte qu'on a publiée il y a 3 ans, c'est un petit fragment de pierre qu'on appelle silcrite. C'est la même matière première qui est utilisée pour tailler des outils. Mais dans ce cas-là, avec un crayon, probablement un crayon assez fin en ocre, on a marqué plusieurs traits qui rappelle des motifs gravés sur des fragments d'ocre trouvés dans la même couche. Et cela semble bien montrer qu'en effet, il y a une volonté. On a refait ça expérimentalement, on a fait un tas d'analyses que je ne vais pas vous indiquer maintenant, qui en effet, donc il y avait une volonté de créer plusieurs séries superposées. Une chose nouvelle, mais ce n'est pas vraiment une découverte, mais c'est juste pour dire comment les choses avancent dans ce domaine, c'est que depuis quelques années, nous travaillons avec des neuroscientifiques de Bordeaux et on essaye de tester l'idée que ces gravures abstraites très anciennes, donc avant Lascaux, avant Chauvet, puissent être utilisées ou ont pu être utilisées comme des supports pour des symboles dans le passé. Donc on a publié quelques papiers sur cet aspect-là. On est en train actuellement de continuer à travailler, mais sous l'aspect peinture corporelle, c'est-à-dire comment un visage culturalisé, couvert de pigments ou d'objets de parure, est perçu par notre cerveau d'une manière différente qu'un visage naturel. Et donc, dans ce cas-là, on a montré que ces anciennes gravures sont perçues comme des objets, c'est-à-dire qu'on arrive, notre cerveau, on ne peut pas faire l'expérimentation sur des hommes modernes d'il y a 100 000 ans, que notre cerveau, en effet, identifie un ensemble structuré dans ces gravures abstraites et que donc, elles ont le potentiel pour pouvoir attribuer une signification qui ne soit pas, enfin, qui soit une signification symbolique à ces ensembles abstraits. Il y a aussi, on a pu aussi montrer, quand on parle de culture matérielle symbolique, on ne parle pas nécessairement d'art, on parle par exemple aussi de cognition numérique. Et dans un travail fait il y a 2 ans, on a montré qu'un objet trouvé aussi à Border Cave, qui est vieux de 44 000 ans, c'est une fibula de babouin avec des entailles, est probablement une des premières notations. Notation parce qu'en effet, on a utilisé beaucoup d'outils pour pouvoir produire ces marques, mais en plus, parfois on est revenu en arrière, on a rajouté des marques avec un autre outil entre des marques qui étaient déjà incisées. Donc en effet, l'idée est que il y a une accumulation d'informations sur cette pièce. Et c'est un sujet qu'on va approfondir avec des collègues linguistes, psychologues, dans le cadre d'un projet européen qu'on démarrera au mois de septembre.
Donc je passe à l'Europe, qui est la dernière étape de ce voyage du monde des premiers comportements symboliques en 20 minutes. En Europe aussi, si vous avez suivi la littérature, on savait que les hommes, que les Néandertaliens avaient plusieurs comportements symboliques, enfin, les plus que parmi les plus anciens, les sépultures. Mais il y a eu des travaux récents. Par exemple, depuis quelques années, on parle des derniers, de ce qu'on appelle en anglais des talons, c'est-à-dire la dernière phalange de rapaces que les Néandertaliens auraient systématiquement ramassés. Il n'y a aucune raison pour pouvoir pour ramasser, parce qu'il n'y a pas de chair attachée. Il y a, sur ces dernières phalanges, sur des griffes, il n'y a pas de perforation, mais on imagine que les Néandertaliens ont pu les utiliser comme objet de parure. Et la nouveauté est que dans le site de Krapina, qui est un site très ancien, il y a 130 000 ans, on a maintenant trouvé plusieurs de ces griffes de rapace. Mais il y a d'autres nouveautés. Claudine rappelait l'utilisation des pigments. Une chose intéressante de ce point de vue, c'est que finalement sont été publiés les fragments d'ocre qui viennent du site de Terramata, donc un site qui est vieux de plus de 300 000 ans, qui, avec les évidences d'un site hollandais qui s'appelle Maastricht Belvedere, montre que les Néandertaliens, ou même les pré-Néandertaliens à ce moment, utilisaient des pigments rouges et les modifiaient. Il y a eu aussi des travaux sur les pigments utilisés plus récemment par des Néandertaliens, par exemple des fragments de manganèse que vous voyez dans la diapositive. Nous avons publié des articles pour caractériser les sources et aussi pour essayer de voir la différence entre ces différents manganèses. Donc, les Néandertaliens étaient capables d'identifier dans des sources géologiques du manganèse d'extrême bonne qualité, qui n'existe plus actuellement parce que ces gîtes de manganèse ont été exploités industriellement au début du 19e siècle. Et aussi, on a pu montrer que dans un site qui s'appelle Combe-Grenal, avec une très longue séquence, les Néandertaliens ont changé de type de pigment et changé de technique avec les changements culturels des groupes néandertaliens. Donc c'est la première fois qu'on relie un comportement lié à la production d'utilitiques avec un comportement dans la modification des pigments. Il y a eu plusieurs travaux aussi faits sur des fragments, sur des os gravés. Je ne vais pas rester sur ça. Vous savez que les derniers néandertaliens appartenant à la culture du Châtelperronien, on produit aussi des outils en os, utilisés des pigments rouges et noirs et des objets de parure. Et nous avons travaillé sur le site le plus connu, fouillé par André Leroy-Gourand, la grotte du Rennes. Il y a une monographie qui vient de sortir sur ce site, et avec une étude des outils en os, mais aussi des objets de parure. Et l'intérêt de cette étude est lié au fait que c'est un site qui a été très souvent contesté, critiqué, et notre travail semble montrer que les Rogourons avaient raison dans la reconnaissance de ces couches archéologiques. Là, vous voyez les objets de parure attribués aux Gravestiens et après à l'Aurignacien. Et on a montré par cette étude que les objets de parure du Châtelperronien, donc des Néandertaliens, sont bien plus abondants que les objets de parure de l'Aurignacien et du Gravestien et qui sont très différents. Très différents pour le type d'objets, c'est-à-dire pour les espèces. Là, par exemple, vous voyez les griffes. Donc c'est une continuité avec les Néandertaliens précédents, l'utilisation de griffes de grands rapaces, mais aussi pour le choix des autres objets. Donc je ne sais pas si vous montrez quelques-uns ici, mais donc vous voyez ici, c'est des canines de renard, ça c'est des fragments de racines de rhinocéros laineux, des canines de loup, des incisives de bovinés et des canines des incisifs de castor, des métapodes de rennes. Donc tous ces objets ne se rencontrent pas dans les couches aurignaciennes. Donc il semble bien montrer qu'ils ne sont pas des objets qui viennent des couches aurignaciennes comme il a été avancé dans le passé, mais il s'agit bien d'objets de parure utilisés, fabriqués par les derniers néandertaliens. Et en plus, ces objets ont été aménagés en objets de parure avec des techniques, c'est-à-dire ces gorges que vous voyez dans la diapositive, qui n'existent pas dans les autres couches. Donc il s'agit bien de Néandertaliens qui produisaient ces objets. Et d'autres, les dernières deux découvertes à laquelle je vais faire référence, c'est la gravure qu'on a étudiée dans le site de Gorham's Cave à Gibraltar. Donc c'était une gravure qui était couverte par des couches moustariennes, qui n'est pas très bien datée, mais qui semble être datée au moins à 40 000 ans.
Et donc on a reproduit cette gravure abstraite expérimentalement. On s'est rendu compte donc qu'il y a eu un travail important fait par les Néandertaliens pour pouvoir produire ce signe abstrait sur la paroi. Entre 188 et 320 passages de l'outil ont été nécessaires pour produire ce motif que vous voyez ici. Et la dernière diapositive, c'est... l'art néandertalien qui est très contesté, c'est-à-dire des peintures ou des traces de peintures qui ont été découvertes, enfin qui sont présentes dans trois sites espagnols et dont datées avec la même technique utilisée pour les sites indonésiens que je vous ai montré au début de la présentation. Et pour sur lesquels, donc si ces datations sont bonnes, il y aurait à une époque dans laquelle il n'y avait pas d'homme moderne en Europe, c'est-à-dire il y a 63-64 000 ans, des Néandertaliens qui rentraient dans des grottes profondes et qui mettaient de la peinture sur les parois ou faisaient des empreintes de main. Alors sur ça, nous sommes en train de publier un article qui vient d'être accepté et dont je ne peux pas vous parler, donc qui va apporter, je pense, quelques réponses à la question. Et voilà, donc juste pour terminer, dans 20 minutes, vous avez le panorama, mais vous n'aurez pas beaucoup de conclusions. Mais la seule conclusion, c'est qu'en effet, comme Claudine rappelait au début, nous sommes en train de passer d'une vision très eurocentrique de l'origine des comportements symboliques, c'est-à-dire l'Europe il y a 40 000 ans, à une vision au contraire plus complexe. Il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu. La Chine, pour laquelle on a aussi des nouvelles découvertes dont je ne peux pas parler ce soir. Donc on a l'impression que ces comportements symboliques commencent avec... sont partagés. La plus ancienne utilisation d'ocre en Europe date de la même époque qu'en Afrique. Donc chez les anténéandertaliens et chez des populations qui commencent à acquérir des caractères modernes, on commence à utiliser l'ocre. Plus tard, des objets de parure en Afrique... il y a 120 000 ans, et aussi au Proche-Orient, parce que le sud de Proche-Orient, à Kafs et à Skoul, ont plus ou moins la même date, et une complexification de ces comportements, parfois une perte de ces innovations. Les coquillages que vous avez vus disparaissent il y a 70 000 ans pour réapparaître sous la forme de perles en offre d'autruche il y a 50 000 ans. Donc c'est un système qui est bien plus complexe, avec des innovations qui se suivent sur une longue période. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille cet article que j'ai écrit, dans lequel nous avons fait une synthèse de l'ensemble des innovations culturelles symboliques et pas symboliques au cours des derniers 800 000 ans. Et cela semble bien montrer qu'en effet, chaque continent s'est comporté comme un lieu différent, avec des trajectoires culturelles différentes qui correspondent même à l'intérieur de l'Afrique, avec des trajectoires biologiques évolutives différentes. Merci. J'espère ne pas avoir merci dépassé trop mes 20 minutes. C'est tout à fait parfait. Merci Francesco pour ce panorama très très riche, malgré le très court temps qui t'était imparti. Et merci aussi d'avoir ouvert une réflexion sur cette notion d'art, qui ne va pas de soi évidemment, et d'avoir introduit cette notion de comportement symbolique. Peut-être que nous aurons l'occasion de discuter de ces différentes caractérisations. Voilà. Alors, notre deuxième oratrice, enfin notre deuxième personne qui va parler aujourd'hui, c'est donc Carole Fritz. Carole Fritz est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille donc à Toulouse dans le cadre de l'UMR Trace et elle est une des grandes spécialistes en France de l'art paléolithique. Elle a dirigé en particulier récemment un livre monumental chez Masno, hein, l'art de la préhistoire, qui est une somme qui renferme non seulement l'art occidental, mais l'art mondial, hein, de la préhistoire, et qui est aussi une rencontre entre de nombreux chercheurs sous sa direction. Alors, entre autres missions, Carole Fritz a cette magnifique responsabilité d'être la directrice scientifique de l'équipe qui étudie la grotte Chauvet à Vallon-Pont-d'Arc
Et donc ce lieu tout à fait d'une richesse extraordinaire et fascinant, qui a été découverte il n'y a pas si longtemps, et sur lequel il y a évidemment de multiples recherches de toutes sortes, dont elle va nous parler maintenant. Voilà. Merci Claudine, merci à la Bibliothèque publique d'information pour l'organisation de ces séances, et merci à vous d'être là aujourd'hui, ça fait du bien de voir un peu de monde. Je suis très heureuse de parler après Francesco, puisqu'on va se succéder dans le temps et dans les interprétations. Alors, ça ne passe pas. Voilà, ça y est, voilà. Puisque moi, je vais vous parler d'art figuratif complexe, c'est-à-dire qu'on va passer de la matérialité symbolique à une structuration figurative beaucoup plus complexe. Et cette structure plus complexe, en fait, quand on regarde ce qui se passe sur la planète, on s'aperçoit que, en tous les cas pour moi, ça suit très nettement le cheminement d'Homo sapiens. Depuis l'Afrique, où on n'a pas vraiment de traces, mais en Europe, en Asie, et certainement bientôt, on aura des dates en Australie. Cette structuration, elle est très importante, puisqu'on s'aperçoit également qu'il se passe quelque chose dans le système, on va dire, cognitif, sociétal des sapiens, aux alentours de moins 45 000. On voit que la figuration, en tous les cas, quand elle apparaît entre moins 45 000, moins 40 000 pour le moment, avec les données qu'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi je n'attribue pas l'image complexe à Néandertal ? Parce que je pense qu'on a deux humanités qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes orientations symboliques. On a bien vu que Néandertal était parfaitement capable de produire du symbole, et bien avant Néandertal, je pense, puisqu'on s'aperçoit également que même les animaux produisent des symboles. Donc, à partir du moment où il y a, à mon avis, deux contacts, deux personnes ou deux individus en contact, on peut produire du symbole pour communiquer. Ce symbole, il se fait avec des syntaxes appropriées, et on voit que Néandertal a une syntaxe appropriée, c'est-à-dire la syntaxe, c'est l'organisation, on va dire, quand on fait une phrase, comment les mots s'organisent pour avoir une phrase. Et là, cette syntaxe, elle est très, très, très différente entre Néandertal et Sapiens, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la comparaison entre ce que produit Néandertal et ce que produit Sapiens. Et on peut également ne pas le faire pour Sapiens, car avant moins 45 000, on voit que Sapiens aussi produit des symboles. Il produit, donc j'ai mis les coquilles d'autruche gravées aux alentours de moins 60 000 ans en Afrique. Et pour moi, c'est la même chose que précédemment, c'est-à-dire qu'entre ces gravures sur gravures d'autruche et les premières images complexes telles qu'on les a à Chauvet ou telles qu'on peut les avoir en Asie, il y a une marge, et cette marge, elle est fondamentale. Cette marge, c'est la complexification de la société, la complexification du langage, car pour moi, ces dessins, ce sont les premières images de l'humanité. Sapiens va mettre en image ce que je pense, ce que ce sont des mythes, en fait. Et à partir du moment où il met ces mythes en image, il inscrit sur les parois des grottes l'organisation de sa société. Alors, un petit tableau chronologique rapide, puisqu'il s'avère que cette apparition de l'image complexe, elle est très récente dans notre humanité, puisqu'on est entre moins 45 000 et moins 36 000 pour Chauvet. Et on voit, par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où ça commence à apparaître, on va la voir arriver sur la totalité du palatique supérieur. Et je pense que, comme pour l'évolution humaine,
Et Jean-Jacques Hublin vous l'a raconté il y a quelques semaines, où en fait on voit un buissonnement de cette évolution humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une évolution linéaire. Je pense que pour l'apparition de la manifestation graphique complexe, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ça apparaît à des moments différents, à des endroits différents, et même sur le territoire européen, pendant le paléolithique supérieur, et bien, il y a des endroits qui seront plus productifs que d'autres, et ça, c'est... ça va avec l'évolution des sociétés. Alors, juste pour faire très rapidement ce que nous a apporté la grotte Chauvet dans la connaissance de cet art figuratif complexe. Donc, on est dans la vallée de l'Ardèche. On est ici à moins 36 000 ans. La grotte Chauvet est certainement la grotte la mieux datée au monde, puisqu'on a au total plus de 200 dates, C14, uranium, thorium, etc., et on a tous les dessins noirs datés aujourd'hui sont tous datés de l'Aurignacien, c'est-à-dire on est aux alentours de moins 36 cal BP. On va juste aller faire un petit tour dans cette grotte très rapidement à deux endroits différents, du moins vers le fond de la grotte, dans la salle hilaire, où vous avez ici des gravures. Ça, on a un panneau qui fait à peu près 3 mètres de long, avec des gravures d'un cheval et de mammouth emboîtés faits au doigt. Et ce qui fait la particularité aussi de cette grotte, en dehors de ses dates, c'est son état de conservation. Et grâce à cet état de conservation, on arrive à faire des observations qu'on ne peut pas faire dans d'autres grottes à l'heure actuelle. Donc vous avez ici ce magnifique cheval, la tête tendue vers l'avant, en position dynamique. Et quand on le regarde de plus près, en fait, ces gravures sont faites au doigt, c'est-à-dire qu'on a un calcaire qui est légèrement mou en surface et l'artiste a juste esquissé, même gravé ce tracé, ce cheval au doigt, et on voit tous les efforts, toute la technique, toute l'habileté des gestes dans la réalisation du poitrail ici, où vous voyez ici la tête très... quelques coups de doigts sur la paroi, et on voit que cet animal est tracé. Et il faut juste savoir que ça soit gravé ou dessiné au fusain, on a les mêmes caractéristiques et les mêmes, on va dire, gestes techniques. Pour vous faire voir la qualité de conservation de cette grotte, ici vous avez un petit mammouth et vous voyez un grossissement des traits à côté, où vous avez encore aujourd'hui le calcaire qui est en suspension quand le doigt a quitté le support. Ça, c'est juste absolument fabuleux. Ce type de conservation nous permet de voir parfaitement les superpositions de traits, le sens d'orientation du tracé, et donc de comprendre toutes les techniques mises en œuvre dans la réalisation des images. On va s'intéresser un peu plus loin au secteur dit des chevaux. Donc, c'est un secteur où il y a une cinquantaine de figures, mais on va s'intéresser plus particulièrement à celui-ci, ce panneau qui est très connu. Et nous, dans la grotte, on produit ce qu'on appelle un relevé, c'est-à-dire on dessine tout ce que l'on voit trait par trait, que ce soit des actions animales ou des actions anthropiques, du dessin, des traces d'ours, etc., pour exactement comprendre tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on va essayer de détricoter l'image, on va essayer de revenir à la surface telle qu'elle devait être avant les premiers traits de fusain, pour comprendre tous les gestes qui ont été appliqués sur la paroi. Alors, quelques images, bien sûr, les grands aurochs avec les cornes projetées vers l'avant. On voit bien les contours des animaux au fusain, ici, avec un aplat, ici, gris, qu'on va voir de beaucoup plus près. Les chevaux, ces fameux chevaux, qui sont faits exactement de la même manière. Et on voit le côté dynamique, les oreilles penchées en arrière, la crinière hérissée, avec ses contours très clairs, très nets. Et ces contours et ces aplats, en fait, on a un dessin au fusain relativement efficace, c'est-à-dire un contour noir. Et puis après, on a un aplat qui est produit en mélangeant directement sur la paroi le noir de fusain avec le blanc de calcaire qui est légèrement un peu mou et les restes d'argile que vous pouvez voir ici. Le résultat, c'est qu'on a une production de couleurs. En réalité, on ne travaille qu'avec un fusain, mais en mélangeant le noir avec le blanc de la paroi et le brun, vous obtenez des gris, vous obtenez des bistres. Et en jouant avec les reliefs de la paroi, vous allez donner du volume à vos animaux. C'est exactement ce qu'ils ont fait.
Et vous voyez ici à côté hein, ces mélanges très clairs avec les petits bouts de fusain, l'argile et le blanc de calcaire. Quand on travaille avec un fusain, vous pouvez le faire chez vous sur une feuille, vous pouvez prendre un petit morceau de charbon de bois, essayer de faire un trait, vous allez voir que le bord de trait n'est jamais très net. Et pour raffermir ce tracé, pour donner de la force au contour de ces figures, ils vont détourer les images, détourer les dessins au silex avec des gestes extrêmement précis, rapides. Et c'est ce que vous avez ici autour de ce contour du museau ici, avec le dernier geste, ce trait de fusain ici, qui marque la bouche ouverte de l'animal. En étudiant les techniques, les manières de faire, on a pu identifier une chaîne technique et on voit que ces techniques, elles sont diversifiées, même si les outils, c'est la main ou le fusain ou un outil en silex, on voit bien qu'ils mettent tout en œuvre pour aller au bout de cette technologie, c'est-à-dire aller au cœur du rendu et donner de la force à ces images. Donc depuis le simple dessin au doigt sur la paroi, comme vous l'avez vu, un simple dessin au noir de fusain, ou encore une préparation de surface où on va un peu enlever l'argile, puis dessin au fusain, et en fait toute la chaîne, depuis la préparation, le dessin au fusain et l'aplat avec le mélange du fusain, du blanc de calcaire et de l'argile. Et ces techniques-là, on les retrouve partout dans la grotte, que ça soit du noir ou du rouge, et surtout la dernière séquence qui va illustrer, qui va être présente sur tout le fond de la cavité. Alors, on étudie aussi sur ces dessins les superpositions de traits, c'est-à-dire qu'on va, pour chaque figure, regarder chaque trait qui la compose et essayer de comprendre l'organisation gestuelle, c'est-à-dire par où on commence, comment se déroule ce dessin sur cette paroi. Le résultat, c'est qu'on peut reconstituer la mise en place des images. Alors, la paroi telle qu'on l'imagine vierge, les premiers artistes, ce sont les ours des cavernes, puisqu'en fait, c'est eux qui ont griffé beaucoup de parois autour des images, soit dessus, soit dessous, mais là, voilà. Les premières images, pour lesquelles on n'a pas de superposition, mais qui sont en dessous des grandes figures, donc il y a quelques rhinocéros, mammouths, etc. Les premiers d'images du panneau, ce sont les grands rhinocéros qui se trouvent en bas, en commençant par celui de droite, puis celui de gauche. Viennent ensuite les aurochs, du haut vers le bas. Et enfin, les chevaux, du haut vers le bas. Et la dernière figure mise en place, c'est ce fameux cheval qui est face au spectateur quand vous arrivez, celui qui est très détaillé, détouré, avec le dernier coup de fusain pour le dernier geste. En fait, vous avez une construction en cercle depuis le bas vers le centre pour finir à hauteur des yeux des spectateurs. Alors, ces techniques, ça veut dire qu'on est là face à une composition. Et j'emploie le terme composition comme je le ferais pour la peinture de chevalet. C'est-à-dire que la personne qui est venue faire ses dessins savait parfaitement ce qu'il voulait faire ou ce qu'elle voulait faire. Et on a une organisation de la surface, une organisation dans la réalisation des figures. Ces compositions, ces organisations, on les retrouve sur d'autres panneaux. Et c'est, là, je n'ai pas eu le temps de vous le détailler, mais c'est un peu plus loin aussi, l'alcôve des lions, où là, on a carrément des manques dans les corps des animaux, puisqu'on va caler les têtes de chevaux dans le corps des lions. Et ça, c'est parfaitement pensé au préalable de la réalisation. Alors, ce qu'a changé la grotte Chauvet, c'est que là, on est à moins 36 000 ans, c'est-à-dire bien avant ce qu'avait imaginé le roi Gourand, puisque le roi Gourand imaginait une évolution de l'art depuis l'Aurignacien, avec des dessins un peu frustes, pour arriver justement à la fin du poétique supérieur, au Magdalénien, avec des dessins plus réalistes, c'est-à-dire qu'on partait un peu d'une enfance de l'art pour arriver au sommet du réalisme. Or, la grotte Chauvet en 94, quand les premières dates tombent, nous démontre que c'est absolument pas ça. Et en fait, la question c'est, est-ce qu'on peut comparer, est-ce qu'on peut séparer techniquement, graphiquement, le cheval de Chauvet ici avec celui de Niaud il y a 16 000 ans? Je crois pas. C'est-à-dire que le modèle, le roi gouranien, en fait, est un peu à mettre de côté. Et il faut revoir aujourd'hui nos paradigmes et essayer de comprendre si on reste dans ce modèle le roi gouranien, c'est-à-dire Rembrandt, quand il dessine son lion en 1640, eh ben, il est plus moderne que Picasso en 1964, quand il dessine ce taureau.
Donc on voit bien que pour un historien de l'art, ce type d'évolution linéaire du dessin ne rentre pas, c'est impossible. Et un même artiste est tout à fait capable de faire du réaliste ou de quelque chose d'un peu moins réaliste. Et on le voit très bien chez Picasso. Donc la grotte Chauvet nous apprend ça. Il n'y a pas d'enfance de l'art. Sapiens arrive avec des choses qu'il sait, des affaires, puisque c'est sa culture, c'est l'organisation sociale qui va demander que l'on inscrive ces mythes sur ses parois. Et ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on inscrit l'image complexe, eh ben ça ne s'arrêtera pas. Et depuis moins de 36 000 ans, on voit sur toute la planète, en tous les cas, et même avant, ici dans le massif de l'Inédit, Van der Heijden, ou encore aujourd'hui le mur des villes qui est utilisé par les street art, et ici un dessin de Banksy. Merci. Merci beaucoup Carole pour cet exposé très, très riche et qui à la fois nous ouvre sur toutes les nouvelles découvertes à partir de cette grotte Chauvet décidément pleine de choses très très intéressantes et même passionnantes, et qui aussi ouvre un certain nombre de questions, puisque tu as pris position sur un certain nombre de points, sur la question de la figuration, sur la question de l'art des Néandertaliens, sur la question la validité du modèle de Leroy Gourhan, en tout cas celui, le modèle chronologique, tout en reprenant quand même cette notion de composition sur laquelle Leroy Gourhan, après Max Raphael, avait beaucoup insisté. Oui, tout à fait. Voilà, donc il y a peut-être des choses à prendre et d'autres à laisser. Tout n'est pas acheté avec l'eau du bain. Voilà. Donc, je pense que nous aurons l'occasion de reparler et de discuter de tout cela. En tout cas, merci infiniment. Et puis, nous passons à notre troisième orateur, donc Jean-Loïc Lequellec, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est rattaché à l'Institut des mondes africains et qui est spécialiste des images rupestres du Sahara. Et il dirige les cahiers de l'AARS, donc seule publication internationale consacrée à ce domaine. Alors, Jean-Loïc Lequellec non seulement a étudié cet art africain, mais il s'est beaucoup attaché aussi à une réflexion sur les interprétations. Et je crois qu'il va nous livrer aujourd'hui en particulier une réflexion que je dirais épistémologique, c'est-à-dire qui interroge la science dans ses procédures et dans son rapport à l'acquisition de conclusions ou d'une vérité, si on peut dire. Et il le fait en démasquant des mythes, comme par exemple ce très beau livre qu'il n'a pas cité ici dans sa bibliographie, mais dans lequel il étudiait le devenir, enfin le destin de cette fameuse fresque de la Dame Blanche, qui avait été ainsi nommée par l'abbé Breuil pour désigner donc un personnage qu'on trouve sur un mur en Namibie, qui en même temps devient, si on la regarde de près, plutôt un homme noir. Donc il y a tout un itinéraire de la réinterprétation, de la relecture qui est tout à fait passionnant dans son travail. Et aussi il y a ce livre qu'il a écrit sur l'homme de Lascaux, une approche critique des interprétations de la fameuse scène du puits de Lascaux, à travers donc une relecture très patiente de toutes les interprétations qui ont été données, avec donc à l'horizon une sorte de volonté épistémologique de comprendre comment on réfléchit, comment on interprète cet art paléolithique. Et c'est donc un type de questionnement qui est extrêmement salutaire. Et Jean-Loïc, en plus, s'intéresse beaucoup aujourd'hui à la question du mythe. Alors, sous un autre angle, la relation entre mythe et image préhistorique. Et il travaille beaucoup à essayer, à travers ces images, de mettre ces images aussi en rapport avec des récits, qui sont des récits traditionnels et qui semblent nous donner des éléments pour remonter à une origine de ces récits et des images qui les portent. Voilà, si j'ai bien compris sa démarche. Et donc, je pense que voilà, il va nous parler aujourd'hui de ses travaux récents, et nous l'écoutons. Merci beaucoup. Alors, je vais parler du
J'ai intitulé ça « Le discours sur la caverne ». C'est à la fois le discours que nous portons sur la caverne, sur l'art des cavernes, et peut-être aussi essayer de dire quelque chose sur le discours porté par les artistes qui ont orné les cavernes. Alors, je sais bien que c'est pas l'art des cavernes, c'est pas tout l'art préhistorique. On a eu d'innombrables, de très beaux exemples d'art mobilier tout à l'heure. Évidemment, je ne vais pas en parler. Je sais aussi, évidemment, qu'il y a de l'art rupestre de plein air. Je ne vais pas en parler non plus. Je vais m'intéresser à l'art des cavernes pour une raison, c'est que deux raisons. Une, c'est que comme l'art de plein air, il est indissociable de son support. Ça, c'est très important. C'est un art immobile, on ne peut pas le déplacer. Et il faut prendre ça en compte quand on l'étudie. Et puis, s'agissant des cavernes, il y a une difficulté d'accès, souvent. Ce n'est pas anodin de rentrer dans une caverne, une vraie caverne, s'entend. Et on peut penser que c'est en rapport avec la motivation, la motivation de l'art lui-même. J'emploie le mot art parce que là, je suis entièrement d'accord avec Carole sur le fait qu'il y a sans doute une distinction à faire entre les images, disons, véristes qui représentent des animaux et ce qui est en grande partie antérieur, mais qui se poursuit après, où on ne reconnaît rien, nous, en tout cas. Et si on fait le tour de la littérature, depuis que beaucoup de gens se sont intéressés à ces questions, bien entendu, et ont essayé d'interpréter ces images, en gros, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie qui consiste à dire bah, « tous les autres se sont trompés et moi, j'ai la solution, je vais vous l'expliquer ». Et puis, une deuxième stratégie qui consiste à ignorer simplement ce que les autres ont écrit. Alors, la première des stratégies, les autres se trompent et moi, j'ai compris ce qu'il en est, c'est en fait, mais dit de manière amusante, c'est tout simplement le travail scientifique. Il y a une boutade qui dit que le scientifique, c'est quelqu'un qui est payé pour passer son temps à montrer que ses collègues se trompent. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. C'est ce que Popper dit d'une autre manière avec le caractère réfutable des théories. Mais si je vais prendre un exemple très simple, c'est celui de la magie de la chasse. C'est une des premières interprétations qui ont été tentées de l'art des cavernes. Il y a eu beaucoup de reconstitutions visuelles, comme celle-ci, qui est magnifique. L'abbé Breuil lui-même a fait des dessins au crayon de couleur pour essayer de rendre vivant. C'était avant l'art numérique, évidemment. Et donc, il a essayé de nous faire partager la chasse préhistorique avec tout ce que ça comporte dans notre propre mythologie. Et là, voici un autre dessin de Breuil qui montre voilà, les chasseurs déguisés qui s'approchent des animaux. Et puis, ce serait, selon la théorie de la magie de la chasse, ce serait cette chasse extrêmement importante, vitale, disons, qui aurait motivé l'art. Et vous voyez en bas à droite l'artiste qui est en train de représenter la scène. Bon, ça c'est un dessin de Breuil. Cette façon d'interpréter l'art a été réfutée très vite. Dès qu'on a commencé à faire des fouilles, on s'est aperçu très vite, pour résumer, que en général, partout où on a pu le vérifier, les gens ont dessiné sur les parois d'autres animaux que ceux qu'ils consommaient. Et ce qui fait qu'on a Delporte qui a dit, de manière un petit peu amusante, est-ce qu'il faut conclure de toutes ces théories sur la magie de la chasse que si les hommes préhistoriques voulaient tuer des rennes, alors ils se mettaient à dessiner des chevaux. Effectivement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, mais donc, on a rejeté cette théorie, mais c'est peut-être un peu rapide. Et comme beaucoup de théories qui ont été rejetées, elles ont peut-être été rejetées de manière un petit peu rapide, parce que ça ne vaut que pour la chasse alimentaire. Et il n'y a pas que des chasses alimentaires dans la vie. Il y a aussi des chasses qualifiantes. C'est abondamment avéré, notamment la chasse aux animaux extrêmement dangereux, le lion par exemple. Et on connaît, l'ethnographie nous donne des tas d'exemples de chasse au lion. Les Maasai, par exemple, chassent le lion, pas du tout pour manger du lion, pour d'autres raisons. C'est ce qu'on appelle la chasse qualifiante. Celui qui a tué un lion, il change de statut. Et ça perdure jusqu'à nos jours. La chasse qualifiante, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Donc, méfiance avec la réfutation des théories. Peut-être que ça a été un petit peu rapide parfois. La deuxième stratégie, ça consiste à ignorer ce que les autres ont écrit. Alors là, je donne un exemple. C'est une autre façon d'interpréter l'art, qui a eu beaucoup de succès, qui en a encore d'ailleurs, au moins médiatiquement. C'est celle qui voit dans les images d'animaux des représentations de constellations. Ça a été beaucoup dit pour Lascaux. Et beaucoup de gens ont publié des textes allant dans ce sens.
Et en particulier, il y a une thèse qui a été consacrée à ce sujet au début des années 90. Et curieusement, tous les auteurs qui ensuite ont proposé ce type d'interprétation ne tiennent pas compte des auteurs précédents, particulièrement pas de la thèse que je viens de citer, qui est une thèse en espagnol, mais quand même, ça peut se lire. Et donc, il y a beaucoup, je vous donne quelques exemples, il y en a beaucoup des auteurs qui ont traité de ce sujet et qui, chacun, donnent une interprétation différente, qui voit les Pléiades ici, mais à l'endroit où voit les Pléiades, l'autre va voir la constellation du Taureau. Et toutes ces interprétations sont complètement incompatibles entre elles et elles se développent quand même comme si de rien n'était. Donc, on a quand même, plusieurs problèmes avec les théories interprétatives. Il y a des gens qui pensent que c'est absolument impossible d'interpréter les images et d'essayer de retrouver ce qu'elles veulent dire. C'est assez probable, mais n'empêche qu'on peut essayer. Mais on peut essayer à condition de ne pas tomber dans ce genre de problème. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes qu'il faudrait essayer d'éviter. Alors, les deux problèmes principaux, à mon sens, alors là j'emploie un peu des gros mots, anachronisme, non, tout le monde connaît, mais anatopisme. L'anatopisme, c'est pour l'espace la même chose que l'anachronisme pour le temps. Et puis, j'emploie deux mots, là, ici, qui ne sont pas de moi. C'est Karl Popper, qui est un philosophe des sciences, qui utilise ces deux mots, explicandum et explicans. Alors, c'est des mots latins, ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est très, très simple. L'explicandum, c'est, en latin, ce qu'il faut expliquer, ce qu'on veut expliquer. Ce qu'on veut expliquer, c'est l'art, les images sur les parois. Et l'explicans, c'est ce qu'on mobilise pour expliquer cet art. Et donc, ce qu'on mobilise, eh bien, c'est toutes les théories qui ont été développées. Là, je vous en mets quelques-unes, le chamanisme, le totémisme, une proto-écriture, voilà, les mythogrammes, le structuralisme. Beaucoup, beaucoup de thèses ont été mobilisées pour expliquer l'art. Et très généralement, toutes ces thèses posent problème. Un des gros problèmes... Alors maintenant, là, je pense que tout le monde est d'accord, c'est les explications globalisantes. On a eu plusieurs fois des gens qui sont venus en expliquant qu'ils avaient trouvé une explication pour expliquer l'ensemble de l'art. Maintenant, plus personne, je pense, de sérieux en tout cas, plus personne ne défend ce genre de thèse parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une seule explication puisse être valable pour un art qui se développe sur une surface gigantesque, on peut dire toute l'Eurasie, puis maintenant même l'Indonésie, et sur des périodes qui couvrent plusieurs dizaines de millénaires. Une seule explication, ça ne vaut pas. Il suffit de comparer simplement avec l'art, je ne sais pas, moi, du Moyen-Âge, la Renaissance, et puis ensuite, juste, mettons en France, dont on n'a pas une seule explication, c'est pas possible. Donc ce genre de théorie est maintenant abandonné. Mais on a l'inverse, si je peux dire, c'est la tentative d'expliquer une seule image, ou bien un petit groupe d'images, et puis de lui trouver aussi une explication. Eh bien là, comme il a été rappelé, j'ai fait un petit livre sur un petit ensemble d'images qui est très généralement considéré comme constituant une scène. Ça, on peut discuter sur qu'est-ce que c'est qu'une scène, etc. Mais là, généralement, les gens sont d'accord. Il y a eu des tas d'interprétations et en fait, il n'y a aucun moyen de valider ces interprétations. Et on s'aperçoit, quand on les compare, qu'elles sont toutes contradictoires et elles ne peuvent pas exister ensemble. Et donc, moi, je pense qu'expliquer une seule image, c'est tout simplement tout aussi impossible de donner une explication à une image que de donner une explication à l'ensemble de l'art. Et puis, le dernier problème, c'est la question de l'aspect synchrone ou pas, de l'explicandum et de l'explicans. J'ai expliqué ce que c'était. Et je vais donner quelques exemples. Un exemple bien connu, c'est celui du chamanisme. Explication qui a eu beaucoup de succès. Donc, elle a été, remise au goût du jour par David Lewis Williams dans sa thèse en 1986, thèse qui portait sur des images d'Afrique du Sud. Et puis ensuite, David Lewis Williams s'est associé avec Jean-Claude pour faire un livre qui étend cette thèse, donc disant que les images ont une motivation chamanique, l'étend à l'art des cavernes. Et puis ensuite, ça a été étendu au monde entier, à peu près à toutes les périodes et à toutes les cultures. C'est une thèse ancienne, hein. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, puisque déjà en 1952, on avait un excellent article de Horst Kirchner qui donnait déjà tous les arguments utilisés depuis
à l'appui de cette thèse. Ça avait été repris ensuite par Noël Smith, qui a fait tout un livre, bon, qui a été un petit peu oublié, et qui défend la même thèse. Mais déjà, Breuil et Cartaillac avaient des intuitions qui tendaient également sur une motivation chamanique des images. Or, il y a un problème ici, c'est que il n'y a aucune définition consensuelle du chamanisme chez les spécialistes du chamanisme eux-mêmes. Et très récemment, on a Anne de Sales qui, en 2018, a posé la question, par exemple, de savoir si, quand on parle du chamanisme en Amérique du Sud, en Amazonie, par exemple, est-ce qu'on parle vraiment de quelque chose qui est réellement comparable au chamanisme sibérien ? Donc, elle a fait toute une étude, un article très prudent, et elle finit en concluant que, ben, probablement que non. En tout cas, c'est une question très difficile et pas vraiment résolue. Même chose pour l'Afrique, puisque tout ça a été remis au goût du jour à partir d'une interprétation d'art en Afrique du Sud. Y a-t-il vraiment un chamanisme africain ? Il y a également une autre thèse qui a été soutenue récemment et qui a repris toute la documentation et qui conclut tout simplement, ben non, il n'y a pas de chamanisme africain. Et donc, on a là un bel exemple d'anatopisme, c'est-à-dire qu'on essaye d'interpréter l'art d'un endroit en prenant ailleurs des concepts sans se soucier de savoir si ces concepts sont également valables pour l'art qui était développé à l'endroit où on veut l'appliquer. Deuxième problème, c'est celui de l'anachronisme. Là, je vais prendre un exemple au Sahara central. Je rappelle quand même que l'art préhistorique du Sahara central, son caractère préhistorique, a été reconnu 30 ans avant la découverte d'Altamira. Fin de la parenthèse. Et je prends pour exemple cette image, ce type d'image. Francesco, tout à l'heure, a parlé des thérianthropes. C'est ces personnages que Renaud Ego appelle des humanimaux. C'est des personnages avec très souvent moitié humain, moitié animaux, souvent avec un corps humain, une tête animale. Cela se trouve au Sahara, en Libye. Et comme la Libye, c'est voisin de l'Égypte, on s'est dit « Ah, mais c'est une influence égyptienne ». Tout le monde a en tête les images d'Anubis, forme humaine, avec une tête de canidé. Et on s'est dit, bah, en gros, bah, c'est la même chose, en fait. Puis c'est juste à côté. Donc, manifestement, c'est une influence de l'Égypte. Égypte, forcément, que c'est une influence qui va dans ce sens, puisque l'Égypte, grande civilisation, bien entendu. Et puis au Sahara, disons, développement secondaire. Bon. Bien, quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'en Égypte, ce type de personnage avec une tête animale et un corps humain, ça résulte d'un très long développement local. Les divinités comme Anubis, puisque j'ai pris cet exemple, Anubis au départ, c'est un dieu animal et il est représenté sous forme animale. C'est un animal. Ce n'est que très longtemps après tout un développement, qu'on commence à le représenter sous forme humaine en conservant la tête animale. Et c'est simplement au Nouvel Empire, disons vers 3000 avant l'ère commune, c'est un animal. Et puis, disons 1500 ans après, quelque chose comme ça, 1500 ans, 2000 ans après, on commence à le représenter sous forme d'un thérianthrope. Ce qui fait que l'image du Sahara, dont on sait maintenant qu'elle date du 5e millénaire avant l'ère commune, elle est bien antérieure à celle d'Anubis, ce qui fait qu'on a un très bel exemple d'anachronisme. On ne peut pas expliquer les images du Sahara par des images qui sont de 1500 à 2000 ans postérieurs. Donc voilà, je pense qu'on a deux gros problèmes qu'il faut absolument éviter, essayer d'éviter, quand on veut essayer d'interpréter les images qui sont dans les grottes. Alors maintenant, c'est bien joli de critiquer les autres, mais comment faire ? Il me semble qu'il y a un consensus, alors peut-être qu'on me dira que non, mais il me semble quand même, puis là je viens de l'entendre justement, c'est que les images, tout le monde est d'accord quand même pour dire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'était probablement associé à des paroles. On ne peut pas imaginer que ces gens qui ont réalisé des images avec des techniques aussi complexes n'en parlaient pas. Entre eux, peut-être qu'ils s'échangeaient des trucs d'artistes. En tout cas, forcément, on devait parler de ces images à l'époque à laquelle elles ont été représentées. Et je pense que ces images ont quelque chose à voir avec ce que Castoriadis, un philosophe, appelle l'institution imaginaire de la société. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement que chaque société
prend dans le monde naturel qui l'entoure des éléments animaux, des éléments végétaux, des éléments minéraux, et puis les extrait du monde naturel pour les valoriser culturellement. Et à partir de ces éléments s'institue la culture. Ici, par exemple, le bison. Le bison a été sélectionné. Il y a des milliers d'autres animaux. Pourquoi autant de bisons? Pourquoi autant de chevaux? Ils ont été sélectionnés pour instituer imaginairement la société pour des raisons qu'on ignore. Et ces animaux, une fois extraits de la nature, ils forment ce qu'on appelle un bestiaire. Et ce bestiaire, dès qu'on commence à en parler, eh bien, on est dans l'ordre du mythe. Le mythe, qu'est-ce que c'est? C'est mythos en grec, c'est-à-dire un récit. Un récit, vrai, pas vrai, peu importe, c'est un récit. Je parle de ces animaux, je me mets à parler du bison, eh bien, je suis dans le mythe au sens propre du terme. Ce en quoi le roi Gourand, là, sur ce point-là, avait raison de parler de mythogramme, hein, puisqu'il disait, en gros, ces images ont quelque chose à voir avec une tradition orale, mais la tradition orale, elle s'est évaporée, elle a disparu, et donc il ne nous reste plus que les images. Comment retrouver la tradition orale? Pour ça, je pense qu'il faut retourner voir les images, parce qu'on parle d'images, mais quelles images? Quelles sont-elles, ces images? Pour avoir une idée un peu plus précise, c'est bien de faire une base de données, pour essayer de faire un corpus et savoir de quoi on parle. Et donc maintenant, on a un peu plus de 400 grottes, hein, beaucoup plus que ce que connaissait le roi Gourand, bien entendu. Et on peut commencer à faire des cartes. Maintenant, toutes les bases de données, c'est géoréférencé. On peut comparer des aires de répartition, etc. On a beaucoup d'outils maintenant qui permettent d'étudier ça. Et puis, cette base de données-là, elle est constituée de telle manière qu'il y a des petites moulinettes à l'intérieur qui permettent de faire des calculs à mesure qu'on nourrit la base. Et notamment, on s'aperçoit que sur l'ensemble des graphismes dans les grottes, eh bien, il y en a 48% qui sont ce que les préhistoriens appellent des signes. Moi, je ne sais pas si c'est des signes, parce qu'un signe signifie. Moi, je ne sais pas si ça signifie, là. Mais disons, c'est une convention, le mot signe, pour dire, ben, nous, en tout cas, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. C'est des graphismes, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. On ne les reconnaît même pas. Si je vois un bison, je le reconnais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais je reconnais un bison. Et il y a des tas de graphismes. Ben, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne reconnaît rien. Eh bien, ce rien, c'est quand même 48% des graphismes. C'est énorme, c'est presque la moitié. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste des zoomorphes. On dit zoomorphes et pas animaux, parce que, je vois un bison, mais est-ce que c'est bien un bison? C'est peut-être un bison qui est mis pour autre chose, justement. C'est peut-être un symbole de quelque chose d'autre, comme l'agneau dans les églises. C'est un agneau, mais c'est pas un agneau. La colombe, c'est une colombe, mais c'est pas une colombe. Ben, le bison dans les grottes, c'est peut-être un bison, mais c'est peut-être pas un bison. Donc des zoomorphes. Les zoomorphes, eh bien, j'en ai 44%. C'est beaucoup, du coup. Et c'est la raison pour laquelle on a parlé d'un art animalier. Mais il n'y a pas que des animaux. Il n'y a pas de végétaux, quasiment pas de végétaux. Par contre, il y a des anthropomorphes. Je ne dis pas des humains, je dis des anthropomorphes aussi parce que ça ressemble à des humains, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est des héros, des divinités. Des anthropomorphes. Eh bien, des anthropomorphes, j'en ai 8% des unités graphiques. De l'ensemble des unités graphiques. Mais si je prends simplement les unités graphiques reconnaissables, où moi, je reconnais un humain, ou je reconnais un mammouth, je reconnais un bison, je peux les reconnaître, et bien parmi celles-ci, les anthropomorphes, c'est 17,5%. C'est quand même assez important. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un art animalier. Alors, dans la grotte, je parle donc des grottes. Donc, si je cherche un mythe à faire aller bien avec tout ça, il va me falloir un mythe qui parle de grottes, bien entendu. Et là-dedans, on a vu que j'ai 44% de zoomorphes. Il va donc falloir un mythe qui me parle d'animaux. Et puis, j'ai 17,5% d'anthropomorphes. Eh bien, il faut que ce mythe parle aussi d'humains. Alors, les humains qui sont dans les grottes, c'est pour ça aussi qu'on dit anthropomorphes, c'est des humains, si on veut, parce qu'ils sont souvent un petit peu bizarres. Ils sont, on dit, animalisés, ou c'est peut-être des animaux humanisés, on ne sait pas trop, c'est un petit peu compliqué. Souvent, ils sont incomplets, ils sont sectionnés, il n'y a qu'une partie. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Et puis surtout, ce mythe qui doit nous parler de ça, il faut s'assurer qu'il soit bien
contemporain des artistes si je veux respecter ma condition du début, c'est-à-dire faire attention, pas d'anachronisme et pas d'anatopisme. Alors, trouver un mythe comme ça, c'est pas les préhistoriens qui vont le trouver. C'est pas possible, tout simplement parce que, comme l'avait vu le roi Gourand, les paroles ne se fossilisent pas. Les paroles, une fois qu'elles ont disparu, elles ont disparu. Jamais on trouvera un mythe sous la truelle. Et donc, pour trouver les mythes de la préhistoire, il faut utiliser d'autres méthodes. Ces méthodes existent, il y a des outils. En gros, ça s'appelle la mythologie comparée. Je vais juste donner un tout petit aperçu, parce qu'évidemment, c'est tout un monde, et je ne peux pas vous faire une longue démonstration, mais c'est juste pour vous donner une idée. Tout d'abord, eh bien, comme pour les images, c'est bien de faire une base de données pour savoir de quoi on parle. Donc, c'est bien de faire une base de données des mythes que l'on connaît. Et donc, par exemple, pour les mythes anthropogoniques, voilà, j'en ai fait une, qui est aussi géolocalisée, ce qui permet de faire des cartes, exactement comme je peux faire des cartes avec les images. Et je peux faire des cartes sur, à l'échelle du monde entier. Donc, voici, par exemple, la carte des 1279 mythes anthropogoniques que je connais. Anthropogonique, ça veut dire qui expose l'origine de l'humanité. C'est des mythes extrêmement importants parce que c'est des mythes qui résistent au temps. C'est des mythes qui donnent l'origine de votre groupe, votre propre origine. Et ça, c'est quelque chose dont on ne change pas volontiers. Quand on regarde l'ensemble des groupes humains, les gens ne changent pas volontiers de mythe anthropogonique, ce qui fait qu'ils résistent très longtemps au temps. Et donc, avec des méthodes que je ne vais pas développer ici, mais une qui s'appelle l'aréologie, on peut étudier chaque petit morceau du mythe, ce qu'on appelle les mythèmes, et en les comparant, et en comparant leur répartition géographique, on peut arriver à démontrer que le plus probable, on n'a jamais de certitude, hein, mais le plus probable, c'est que les mythes anthropogoniques, en particulier un dont je vais vous parler maintenant, qui est celui de l'émergence primordiale des animaux et de l'humanité, que ce mythe est originaire d'Afrique et qui s'est diffusé dans le monde entier en même temps que les humains anatomiquement modernes. Qu'est-ce que c'est que le mythe de l'émergence? Il est très simple. Les humains et les animaux, à l'origine, vivaient sous terre. Et un jour, là je vous le résume au maximum, le mythe évidemment c'est plus long, c'est toute une histoire à raconter, mais un jour ils sont sortis à l'air libre et une fois sortis, ils se sont dispersés. Et ils sont sortis en passant par une grotte. Il y a plusieurs techniques pour étudier l'histoire des mythes et la très longue histoire des mythes, notamment maintenant des techniques qui sont employées aux généticiens. Et on peut faire une phylogénétique des mythes, c'est-à-dire construire des arbres qui reconstruisent, qui simulent l'évolution des mythes. Parce que les mythes se transmettent et ils obéissent finalement à une loi darwinienne qui est celle de la descendance modifiée. C'est la grande loi darwinienne, disons, la reproduction d'une génération à l'autre. Elle n'est pas parfaite, il y a des petits bugs, et à chaque fois, ça se modifie. Si on étudie toutes ces modifications sur le long terme, on peut reconstituer l'histoire du vivant en fabriquant des arbres. Et il en est de même pour les mythes. Je vous résume ça très, très vite, mais si on fait ça pour le mythe de l'émergence, on s'aperçoit que l'arbre reconstitué, avec les logiciels qui servent aux généticiens pour faire ce genre de travail, place à la base de l'arbre l'Afrique australe. Ensuite, dans les développements qui suivent, les branches qui se diversifient, on a l'Océanie et l'Eurasie. Et à l'extrême bout des branches, eh bien, on a les Amériques. C'est-à-dire qu'on a tout à fait, c'est superposable, disons, au déplacement et au peuplement du globe par l'humanité. Et donc, je pense que je n'ai pas une explication globale pour l'ensemble de toutes les images préhistoriques du monde, bien entendu, je ne me permettrai plus jamais ça, mais je pense que les humains qui ont orné les grottes, les artistes qui ont orné les grottes, forcément, dans leur tête, avaient un mythe d'émergence, un mythe d'origine, comme tous les peuples du monde, il n'y a pas d'exception connue. Forcément, ils avaient un mythe d'origine de leur propre humanité, de leur propre groupe. Et comme ce mythe est né en Afrique, qu'il s'est déplacé avec les humains dans l'ensemble du monde, eh bien, les humains qui sont arrivés jusque, bah, disons, l'actuel Périgord, la région franco-cotabrique, etc., et qui se sont mis à dessiner dans les cavernes, eh bien, ces gens avaient présent à l'esprit ce mythe. Et je ne peux pas penser qu'il n'y ait pas de rapport, je ne dis pas que j'ai une explication, mais je ne peux pas penser qu'il n'y ait pas de rapport entre la présence de ce mythe qui
expose l'origine des animaux et de l'humanité comme sortant d'une caverne et le fait de retourner dans une caverne pour dessiner des animaux et des humains préhumains, puisque animalisés, incomplets ou animaux humanisés. On a des tas de versions du mythe, du reste, qui nous exposent qu'au moment où les gens et les animaux sont sortis de la caverne, il y a eu une métamorphose, parce qu'auparavant, ils étaient un petit peu indistincts, et une fois sortis, là, ils se sont bien distingués, avec d'un côté les animaux, et de l'autre côté, les humains. Et ensuite commence, eh bien, une très longue histoire, et je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Loïc pour cet exposé très, très fort, hein, où d'un côté vous déconstruisez beaucoup d'interprétations sans rigueur et d'un autre côté vous présentez vous-même une proposition de lecture de ces images à travers cette phylogénie des mythes qui est une méthode novatrice, hein, et intéressante. Et curieusement, il est intéressant de voir que cette proposition, cette histoire du mythe d'émergence primordiale, elle rejoint un peu ce que d'autres préhistoriens ont récemment avancé, en particulier Testard et Laure Blanchet. Hein, et donc il y a deux livres qui sont sortis dans les dernières années qui avancent sur des bases un peu différentes cette même proposition. Donc il y a quelque chose, il y a une convergence là. Alors, est-ce que la convergence fait vérité? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans le moment présent, c'est une thèse qui est soutenue et qui semble très forte. Alors, on pourra discuter éventuellement des méthodes et de tout ce que vous avancez. Alors, bon, on a maintenant un peu de temps pour discuter. Est-ce que vous avez envie de vous poser des questions les uns aux autres? Ou est-ce que nous laissons la parole à la salle? Est-ce qu'il y a une notion, un concept ou quelque chose que vous aimeriez discuter ensemble? Je sais que Jean-Loïc avait proposé deux notions, celle de symbole et celle de mythe, justement. Est-ce que vous comprenez de la même façon, est-ce que tous les trois, vous comprenez de la même façon cette notion de symbole qui a été donc utilisée aussi bien par Francesco que par Carole et par Jean-Loïc? Comment comprendre cette notion de symbole et comment l'utiliser pour ce qui concerne l'art paléolithique? Est-ce que c'est une notion rigoureusement employée, le symbole étant la mise en rapport de deux faces, en quelque sorte? Est-ce que nous avons les deux faces dans les figures qui nous sont présentées dans l'art paléolithique? Une des questions possibles. Pas Francesco, si tu as envie de répondre. Oui. Je peux répondre, mais je voulais aussi dire, peut-être que nous avons beaucoup entendu parler, il faudrait aussi que leur donner la parole. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, vous avez posé, on va vous poser les questions que encore, vous voulez. On a encore 40 minutes. Donc très bien. Mais donc, bon, la définition de symbole, je dirais, donnée par la sémiologie, c'est donc un signe qui renvoie à une signification qui est différente du signe lui-même. C'est-à-dire, la signification n'a pas une relation iconique. Donc, l'icône, c'est le contraire, dans lequel la signification est liée à la morphologie, quelque chose qui renvoie à quelque chose qu'on reconnaît. Donc, de ce point de vue, si on va dans une grotte et on grave un cheval pour faire un cheval, ce n'est pas un symbole. Parce que pour être un symbole, il faut que quand on fait un cheval, on pense à quelque chose d'autre. Ou on pense à un cheval qui est différent de la représentation directe du cheval sur la grotte. Donc, en effet, la question du symbole n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on a tendance à dire, on fait de l'art pariétal, on fait des animaux, donc c'est symbolique. Mais d'ailleurs, parmi les différentes interprétations, je ne sais pas si tu... je pense, il y a des collègues qui ont proposé, des archéologues américains, qui ont dit, mais les gens, ils faisaient la grotte comme on fait maintenant des graffitis. En pensant, l'idée que de faire des graffitis sans aucune signification, de toute façon, ça sert aussi discutable, parce que les gens ont fait bien des graffitis pour quelques raisons. Mais disons que il y a quand même des gens qui ont dit voilà, l'art paléolithique, c'est pas du tout symbolique, c'est juste des teenagers qui vont dans la grotte à faire des graffitis. Donc la question de l'utilisation des symboles est compliquée.
Après, j'ai dit une deuxième. Donc, moi, je reste quand même personnellement attaché à cette idée que les symboles s'identifient pour faire un lien entre un signe et une signification qui n'est pas liée à, au signe lui-même. Donc, il faut que ça renvoie à quelque chose d'autre, qu'il n'y a pas de ce lien iconique. Après, la question est plus complexe parce qu'en effet, je dirais, un signe ne peut pas exister tout seul. C'est-à-dire, un signe, pour moi, existe seulement si le fait d'avoir déjà un signe et le fait d'attribuer une signification qui est autre, pour moi, ne peut pas exister sans qu'on ait une vision du monde symbolique. C'est-à-dire qu'en effet, on a créé un système de ces signes et que ces signes entretiennent une vie, entretiennent des relations qui montre qu'on a une lecture autre du monde. C'est que là, on revient, si vous voulez, à ce que bon, Lévi-Strauss, Descola ont clairement expliqué, c'est-à-dire qu'il y a des taxonomies du monde qui rentrent dans la vision du monde et qui font que qu'il y a des systèmes. Ces systèmes évoluent, on a parlé des mythes donc, qui évoluent, mais aussi ces systèmes symboliques évoluent avec des changements. Donc ces systèmes, on peut les interpréter, on peut les voir comme des sortes d'organismes qui gèrent, qui constituent notre culture et qui en évolution. Alors, une chose importante, c'est qu'il y a un moment très, très important dans cette évolution qui est quand ces signes et donc ces symboles, ces systèmes s'incarnent dans la culture matérielle. Pourquoi c'est important? C'est-à-dire qu'en effet, on fait un objet, mais cet objet aussi se charge de plusieurs types de significations, parce que bon, il indique la personne qui l'a fait, il a une signification parce qu'il y a quelqu'un qui le donnera en cadeau à quelqu'un d'autre, le fait qu'il a mis des traits indique que la personne qui l'a donné en cadeau, voilà, ben, disons, les points de flèche des sannes, moi j'ai beaucoup travaillé avec les sannes, d'ailleurs j'en profite pour faire de la publicité, je vais sortir un livre sur les sannes dans quelques semaines, c'est-à-dire nous on a mené des vieux sannes dans un musée, on est resté 10 jours avec eux, et aussi en Namibie, et on leur a fait montrer des centaines d'objets collectés il y a un siècle par un chercheur, un médecin, et donc on a discuté avec eux, etc. Donc par exemple, chez les Sandes, ben, on fait des petites entailles sur la pointe de flèche, on faisait, parce que maintenant les points de flèche, les quelques Sandes qui utilisent des points de flèche, ils les font en métal, mais disons qu'à l'époque dans laquelle ils étaient faits en os, on fait des tout petits traits, des traits qui sont presque invisibles. Donc ces signes n'ont pas besoin d'être quelque chose de très, très étonnant. Et ces marques sont des marques qui indiquent le chasseur. Mais vous pouvez aussi prendre une flèche et la donner à un autre chasseur. Et le chasseur, il va tuer l'animal avec une flèche qui sera reconnaissable comme la vôtre. Encore mieux, vous pouvez tuer un animal avec la flèche de quelqu'un qui est mort. Et donc la partie de l'animal, après, ira à la femme de la personne qui est morte. Encore mieux, vous voulez vous marier avec quelqu'un et vous voulez être bien avec votre futur beau-père. Vous donnez votre flèche, vous utilisez une flèche de votre beau-père, vous tuez l'animal, c'est comme si votre beau-père, enfin, futur beau-père, donc comme ça, vous commencez à avoir des relations intéressantes pour organiser le mariage. Donc, et tout ça, c'est juste sur deux ou trois petits marques. Donc, à la fin de notre expérience avec les sannes, nous avons, ma collègue, Lucinda Bachwell, qui est une ex-doctorante à moi, a dit, mais non, on va partir. Est-ce que nous, on avait fait des pointes à os expérimentales qu'on utilisait pour, par la suite, on a publié un papier sur ces pointes à os, parce qu'on pense que l'arc et les flèches ont été inventées en Afrique il y a 60 000 ans. Et donc, on voulait que ce soit des sannes à tirer ces pointes. Pourquoi? Parce qu'en effet, ils utilisent des arcs qui sont très petits, qui ne sont pas puissants. Donc, les pointes ne se cassent pas quand elles rentrent dans l'animal. Mais il y a des fractures internes qu'on peut identifier en passant les pointes au CT scan. Et à la fin, donc, il restait ces pointes expérimentales. Et on a dit, mais est-ce que tu peux nous laisser une trace du fait qu'on s'est rencontrés, etc. Et ce monsieur, lui, il a pris, je crois, une demi-heure. Il a pris un couteau, il l'a regardé, il a fait ces deux petites marques. Pour lui, c'était important. C'est un peu comme sa signature. Et après, il a pris de la vaseline et du charbon. Il a rempli les entailles pour que finalement, on puisse les voir, parce qu'on ne les voyait pas, ces entailles. Donc, et c'est clair, ça c'est très symbolique, mais il n'y a rien de figuratif là-dedans. C'est pour expliquer comment, en effet, des cultures humaines, du moment que vous avez, transformé votre culture matérielle
et vous l'avez enrichi avec ses aspects symboliques, cette culture matérielle devient l'élément redondant qui vous rappelle que vous vivez dans un autre monde, pas seulement dans le monde visible, mais aussi dans un monde qui est taxonomiquement organisé par votre culture. Donc, c'est clair que si pour un Égyptien, le fait d'avoir une pyramide devant, ça devait quand même lui rappeler très, très fortement la culture à laquelle il vivait, ou pour un Romain, ou pour un Grec. C'est-à-dire, le temple, vous êtes à Athènes, vous regardez le temple, c'est clair que vous appartenez à la culture. Mais dans d'autres moments, dans le passé, il y a eu des cas comme ça, dans lesquels même des toutes petites marques et vous rappeler les aspects très symboliques du monde dans lequel vous vivez. Je crois que je me suis emporté. Au début, j'ai dit, c'est vous que vous devez poser des questions. Et après, quand j'ai commencé à parler, je n'arrête pas. Donc, excusez-moi. Merci beaucoup. Carole ? Alors, moi, je ne vais pas faire de hiérarchisation dans le symbole. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'à partir du moment où il y a deux individus ou trois individus ensemble, on est dans le symbolique puisqu'on va communiquer. Alors, la communication, elle va, en fonction de la culture, en fonction des besoins de la société, se complexifier. Qu'est-ce qui fait que ça se complexifie ? Eh ben, c'est parce que la relation entre les gens va se complexifier. Et qu'il va falloir que les individus s'identifient à ces symboles. Ça veut dire qu'il va y avoir une projection individuelle et collective au travers de ces symboles. Et quand on arrive à un moment donné à inscrire les symboles sociaux sur les parois, ça veut dire que là, on est sur une intentionnalité, une identification collective qui est extrêmement complexe et ce qui pour moi veut dire aussi qu'il y a une complexification dans la communication même verbale. Il n'existe pas de société sans mythologie. Il n'existe pas de société de chasseurs-cueilleurs-collecteurs sans mythe. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'un mythe, ça vous dit d'où vous venez, ça organise le présent et ça vous permet de préfigurer le futur. Profondément, et je rejoins beaucoup Jean-Loïc, on n'aura jamais la réponse. Je dis souvent, nous sommes des grands frustrés, nous, les préhistoriens, paléoéthiciens, et on va le rester. Il faut juste l'accepter. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est émettre des hypothèses, regarder ce qui s'est fait avant, avancer, émettre des hypothèses. On a aujourd'hui des moyens de calcul, des techniques qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Voilà. Mais la réponse, on ne l'aura jamais. Par contre, je suis intimement persuadée qu'en allant chercher des choses ailleurs, on peut aller plus loin dans l'interprétation et proposer des choses beaucoup plus construites que ce qu'on faisait avant, même si les mythes, comme Jean-Loïc l'a dit tout à l'heure, Breuil et Cartaillac en ont parlé en 1920. Donc ça ne date pas d'hier. Par contre, quand on regarde l'art paléolithique aujourd'hui, et moi je suis une forte partisane d'une anthropologie de l'art, comme peut le faire un certain nombre de personnes comme Alfred Gadd ou d'autres, je pense qu'on peut arriver à construire un modèle qui va plus loin dans la compréhension de la manière d'investir les images par une société. Comment la société investit ces images ? Et je vous ai fait voir tout à l'heure, je l'ai fait voir à Chauvet, mais je peux vous le faire voir dans d'autres grottes, que ces images, ce n'est pas simplement un signe mais sur une paroi. C'est une vraie composition. C'est pensé à l'avance. C'est organisé socialement. Quand vous allez dans une grotte à 650 mètres de l'entrée au Tuc de Doubert, cependant, il faut des pigments, il faut de l'éclairage, il faut tout ça. C'est pas, vous décidez pas ça, comme ça, j'y vais tout de suite. Non, il y a une organisation sociale derrière. Ça veut dire qu'il y a une acceptation sociale derrière. Et cette acceptation, elle est justement parce que la société a besoin de ces images. Donc de ces signes. On est sur un système de communication complexe. Voilà. Alors,
je ne vais pas pouvoir développer pourquoi je pense que ce sont des mythes, etc. Mais peut-être venez à l'HESS demain ou après-demain, vous verrez, parce que là, je vais le développer. Merci. C'est aussi une page de publicité. Nous avons un colloque de 2 jours au 54 Boulevard Raspail sur la notion d'ornement. Et tous les interlocuteurs qui sont ici interviendront. Voilà. Donc, vous êtes invités. Il y a 18 places. Voilà. Est-ce que Jean-Loïc voulait parler ou est-ce que je peux laisser la parole à la salle? Est-ce que vous avez une chose de court à dire sur le symbole? Vous en avez déjà parlé un peu. On va peut-être laisser les questions à la salle. Voilà, nous avons maintenant une petite demi-heure. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à vous manifester. Oui, ici. Vous avez un micro? Merci beaucoup pour l'intervention des trois experts. Je ne sais pas si ça sera assez simple pour moi d'essayer d'identifier mon principal enjeu, que ça me génère un peu de conflit parce que malheureusement et heureusement, je suis sociologue et je ne suis pas dans votre domaine nécessairement. Donc, je peux me permettre un peu à partir de mes espérances de voyage, mes origines, je suis d'origine mexicaine, et quand même avoir une perception nécessairement qu'elle sera un peu polémique. Notamment, je sais que c'est compliqué d'inscrire la notion. Vous essayez souvent pas. Par exemple, la vision d'Enrico, la vision sémiotique sur les symboles, c'est bien clair qu'il est beaucoup plus consensuel. Pourquoi? Parce que, par exemple, comme M. Enrico il a expliqué que dans les symboles, il y a toujours quelque chose qu'on ne dit pas. Donc là, bien sûr, on donne énormément d'éléments pour développer des théories, des discussions. L'histoire, c'est notamment l'idée de... Je pense que ces sociétés, dire qu'ils sont construits de l'art, pour exprimer, parce qu'ils ont besoin d'exprimer sans concevoir qu'ils avaient un système de communication et de construction assez particulier. C'est compliqué, notamment l'idée de magie ou l'idée notamment des systèmes religieux auxquels ils sont construits. Messier d'Escola, il a déjà développé la théorie de le monde de l'invisible. Si je peux me permettre de vous interrompre, est-ce que vous avez une question, monsieur? Parce que là, ce serait bien de poser une question auquel nos invités pourront répondre. La question, c'est... Non, la question, c'est que... je pense qu'il faut, à mon avis... Je voudrais savoir pourquoi l'idée de système chamanique, elle n'est pas... Pourquoi il y a la distinction de construire qu'il savait un système de l'art et pourquoi la partie des systèmes religieux, pourquoi il n'est pas nécessairement toujours inscrit, quoi. C'est tout. Pourquoi il y a une distinction entre système d'expression artistique et système d'expression religieuse? C'est tout. C'est un conflit au niveau de l'argumentation symbolique. Carole a envie de oui, répondre. Oui, je vais vous répondre rapidement. Alors, en 20 minutes, on a passé beaucoup de choses. Il faut savoir que depuis 1965, avec les travaux d'André Leroy-Gourand, puis après les travaux de Georges Chauvet et surtout ces deux-là, on sait aujourd'hui qu'on est face à ce qu'on appellerait... ce que vous appelez un système religieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un bestiaire choisi. Et ça, Jean-Luc l'a donné tout à l'heure. Mais ce bestiaire, il est très particulier. C'est-à-dire, je ne vais pas vous l'énumérer, mais bison, cheval, bouquetin, etc. Et surtout, il est stable. Entre moins 40 000 et moins 12 000 ans, il n'y a quasi pas de changement. Voilà. Et dans ce bestiaire, et là, on reverra les chiffres, parce que je n'ai pas les mêmes chiffres que toi, l'image humaine, hein, c'est moins de 8%. L'image humaine. Et dans ces 8%, l'image majoritaire, c'est l'image de la femme.
Ça veut dire qu'on a quelque chose de très stable, de très construit. Ça veut dire que ce que le roi Gourand et ce que Georges Chauvet après, ça veut dire qu'on a une grammaire formelle. On a quelque chose qui le discours préexiste avant l'image, puisqu'on a des animaux qui sont là pour porter un discours et que ces animaux, eh ben, ils sont très canalisés. On sait ce que c'est entre, en gros, moins 40 000 et moins 12 000. C'est pour ça qu'on dit ça. Voilà. Mais on ne peut pas tout réexpliquer à chaque fois. Le problème, il est là. Est-ce que vous voulez intervenir? Juste un petit mot pour l'aspect religieux. Moi, je m'interdis d'utiliser ce mot pour parler de la préhistoire parce que, justement, j'essaye de résister à la tentation et au risque de l'anachronisme. Et donc, la notion même de religion, c'est une notion très récente qui est née avec le christianisme et qui a été répandue dans le monde entier par les missionnaires. Et c'est extrêmement risqué, sans autre précaution, que de l'utiliser cette notion pour de la transposer dans le passé, dans un passé qui remonte à 40 000 ans avant. C'est plus que risqué et ça demanderait de très longues précautions oratoires. Moi, je préfère procéder autrement parce que vraiment là, pour moi, c'est de l'anachronisme typique de parler de religion. Aussi. Oui. C'est difficile de mettre un mot là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je me posais une question sur l'art néandertalien, plus précisément. Parce que si on pense au mythe de l'émergence pour expliquer l'art figuratif du paléolithique supérieur, quel sens symbolique, quelle hypothèse du moins, on peut donner à l'art néandertalien? Et je pense à Bruniquel, ou encore à Goram, El Castillo, La Pasiega, si on peut leur donner la paternité de ces œuvres. C'est peut-être Francesco qui peut répondre. Oui, bon, en partie... J'ai donné une partie de la réponse au tout début de mes 20 minutes en disant que, en effet, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'art. Il y a des populations actuelles qui pratiquement ne font pas de figuratif. Ils sont des hommes modernes, ils parlent comme nous, ils ont des mythes. Donc, en effet, le figuratif n'est pas une condition nécessaire pour avoir une vision symbolique du monde et pour produire de la culture matérielle symbolique. Alors, c'est vrai que, pour ceux qu'on en sait, les Néandertaliens ne semblent pas faire de l'art figuratif, mais ils ont peut-être une culture matérielle symbolique, c'est-à-dire qu'ils, et même plus, ils font des sépultures. Il y a beaucoup plus de sépultures faites par les Néandertaliens que par tous les hommes modernes en Afrique. Donc c'est pour ça qu'en effet, le dernier papier, nous l'avons publié avec une couverture dans Nature. Parce que surtout l'Afrique, les hommes modernes, qui pourtant devaient être aussi intelligents, ils ont fait 3 sépultures. Ça ne représente même pas le 10% de tout, le 5% de toutes les sépultures faites par des Néandertaliens en Europe. Donc les Néandertaliens utilisaient des pigments. Ces derniers Néandertaliens produisent des objets de parure. Ces objets de parure ne sont pas anodins. Parce qu'ils ne sont pas choisis au hasard. Donc, si on utilise un métapode accessoire de renne ou un incisif de castor ou un canine, tous ces animaux avec lesquels on se pare peuvent faire partie d'un système symbolique. Parce qu'on ne choisit pas ces supports, on a un lien. Il y a pas mal de travaux faits par la suite qui montrent qu'en effet, par exemple, avec l'Aurignacien en Europe, chaque région utilise certains objets de parure. Donc, en effet, les gens, ils semblent s'identifier dans leurs objets de parure. Les objets vous donnent la possibilité de changer votre image biologique et la transformer dans un message, donc dans un signe. Vous devenez vous-même un symbole. En vous reconnaissant, on voit que vous appartenez à notre groupe, que vous êtes marié, que vous êtes une femme, même dans certains cas, peut-être combien d'enfants ou quel rôle social vous étiez en train de jouer à l'intérieur du groupe. Donc c'est quelque chose de complexe, et en même temps,
dans ça, je suis d'accord avec ce que Carole disait, c'est ces populations du Middle Stone Age que avant, et peut-être un peu trop simplement, on définissait comme des hommes modernes africains, parce qu'on considérait que ces hommes modernes se développaient il y a 200 000 ans, et à partir de 200 000 ans, ils étaient tous intelligents et tout modernes, on se rend compte qu'en effet, ils n'étaient pas aussi modernes que ça. Ils n'étaient pas modernes d'un point de vue biologique, parce qu'on se rend compte qu'en effet, à partir de 300 000 ans, il y a quelques caractères modernes, mais en effet, l'acquisition totale des caractères modernes s'est faite sur une période très très longue. Et sur, d'un point de vue du comportement, dans des grandes régions d'Afrique, on n'a presque aucune preuve de ces comportements modernes. Et dans certaines d'autres régions, on a des comportements qui ne sont pas aussi différents de ceux qu'on observe chez les Néandertaliens contemporains. Donc je pense qu'en effet, c'est toute la question j'éliminerai le mot « art néandertalien ». Il y a des comportements que, d'ailleurs, les Néandertaliens, ils ne sont pas tous. Sans doute, il y avait des nombreuses populations néandertaliennes qui ont eu des trajectoires culturelles différentes, exactement comme celles des hommes modernes. Sinon, on comprendrait pourquoi pas. Il y a des hommes modernes, il y a 120 000 ans au Maroc, qui ont des objets de parure, et il y a des régions entières de l'Afrique, et pourtant, ces objets de parure sont des coquillages qui se conservent très bien, ou ils ne les faisaient pas. Donc, on est face à des trajectoires culturelles très différentes, avec des hommes qui étaient en Afrique, qui étaient en train d'acquérir des caractères modernes, des Néandertaliens qu'il ne faut pas prendre comme un paquet uni. Il y a des Néandertaliens qui utilisent des pigments, des Néandertaliens qui n'utilisent pas des pigments. Donc, pour moi, pour comprendre ce processus signifie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans chacune de ces régions. Comment ces trajectoires culturelles ont amené certaines populations à développer des comportements très complexes, comme par exemple l'art pariétal et figuratif. Et aussi comment ces trajectoires ont pu être influencées par des changements climatiques qui ont fait que chaque population s'est trouvée, à chaque changement climatique, face à un challenge auquel on a répondu. Parfois, il a répondu en disparaissant, parfois, il a répondu en produisant des nouveautés. Donc, c'est une nouvelle vision qui commence à se dessiner, qui n'est pas celle avant on est moderne, avant on n'est pas moderne, après on est moderne, après du moment qu'on est moderne, on est cognitivement moderne. Donc, parce que sinon, si on accepte l'idée qu'on était moderne il y a 200 000 ans, il faudrait expliquer pourquoi ces hommes modernes, déjà intelligents il y a 200 000 ans, ils ont attendu 150 000 ans pour faire des figures dans des grottes. Donc la situation est bien plus compliquée de ce qu'on pourrait s'imaginer. Non, moi, en fait, j'aime pas du tout utiliser le terme de moderne, parce qu'on est toujours moderne par rapport à quelqu'un. Moi, je préfère parler d'humanité différente. Et de plus en plus, on est sur ces humanités différentes au même moment, sur des territoires. Les sépultures, on focalise, nous, Européens, sur le fait de creuser un trou et de mettre un corps dedans, mais il y a tellement de pratiques funéraires qui laissent aucune trace archéologique qu'on n'est pas obligé de faire une sépulture pour prendre le soin d'un corps. Voilà, sauf qu'il n'y a que le trou qui laisse une trace archéologique quand on retrouve le squelette dedans, quoi. Les Indiens d'Amérique du Nord, pour beaucoup d'entre eux, ne pratiquaient pas la sépulture, mais ils prenaient soin des corps. Bref, donc on focalise sur des choses et surtout, il faut, je pense, en tous les cas, moi je le fais, je dissocie l'utilisation des symboles et l'apparition de l'art. Ce n'est pas concomitant. On utilise les symboles bien avant l'apparition de l'art. Parce que ça, c'est de l'art. On ne va pas rentrer là-dedans pour le définir, mais voilà. Nous, on le perçoit comme de l'art parce qu'il y a des notions d'esthétisme, etc. On l'interprète, on fait de l'européano-centrisme, si vous voulez. Mais là, je peux vous faire un cours sur l'analyse d'image. Sur Goran Kev, ça va être un peu difficile, quoi. La psychologie de la forme, ça marche, mais ça marche à une certaine limite. Et moi, je pense qu'il faut dissocier ça. L'utilisation du symbole est très ancienne. Elle est bien avant Néandertal, je pense. Elle a vraiment, et je le répète, il y a des animaux qui utilisent un symbole pour communiquer. L'apparition de l'art, elle se fait dans une tranche chronologique pour le moment qui semble être un peu identique sur la planète. Voilà. Mais juste si je peux rajouter une petite question, est-ce qu'il faut pour autant insister sur l'apparition de la figuration comme un moment de rupture
dans cette émergence. Est-ce que c'est pas une projection là de nos propres, de notre propre vision entre Un système de communication complexe demande une projection individuelle et collective. Au travers de Goranchev, on a un peu de mal à se projeter en tant qu'humain, en tant qu'humanité. C'est-à-dire que à partir du moment où on inscrit des mythes sur les parois, on a une projection mentale qui se fait au travers, on va dire, de récits, pour faire simple, l'utilisation de l'image animale. Alors pour moi, moi je rejoins beaucoup Vivero de Castro plutôt que d'Escola, mais je pense qu'il y a, et on le voit chez beaucoup de populations, hein, chasseurs-cueilleurs-collecteurs, où en fait il n'y a pas une identification propre de l'homme par rapport à un milieu animalier. Et je pense que si l'image humaine est si peu représentée de manière naturaliste chez les paléolithiques, c'est parce que pour moi, en tous les cas, j'aime beaucoup ce que l'interprétation en fait, que fait Vivero de Castro sur les populations américaines, et je ne parle pas de sud-américaines, mais on voit, hein, ces éléments du sud au nord des États-Unis, du continent américain, on a un monde où l'humain se perçoit en tant qu'animal parmi des animaux, parce qu'il est lui-même un animal. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, l'humain, il est juste aussi une proie. Jean-Louis. On a peut-être un petit problème de vocabulaire. Déjà, effectivement, parler d'art néandertalien, c'est comme le mot religion. C'est des mots qui emportent avec eux un tel poids d'ethnocentrisme que c'est vraiment délicat de les utiliser. C'est pas facile de trouver d'autres façons de le dire, c'est d'accord. Mais peut-être que si on parle de graphisme, on peut mettre tout le monde d'accord. Il y a des graphismes. Bon, voilà, il y a des graphismes mobiliers sur les parois, il y a des graphismes. C'est graphique. Bon, ça, on est d'accord. Et ensuite, plutôt que de parler d'un art naturaliste, par exemple, parce que le naturalisme aussi, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à définir. Le vérisme, tout ça, ça correspond à des stades de l'histoire de l'art, de notre histoire de l'art. C'est un petit peu risqué d'utiliser ces termes-là. Mais là où on peut peut-être se mettre d'accord assez facilement, c'est sur le degré de complexité. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ça, peu importe la signification, peu importe beaucoup de choses par ailleurs, mais là, ce qui est important, il y a des données techniques qui sont de plus en plus, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, des moyens de mettre en évidence une complexité technique qui, évidemment, là, on peut se mesurer. Hein, Goranchev, on a pu compter le nombre, vous avez pu compter le nombre de passages pour les stries. On voit bien que ce n'est pas un accident, que ce n'est pas une strie accidentelle. Voilà, c'est parfaitement volontaire, c'est donc pensé. Bon. Donc ce genre de choses, c'est des observations sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Donc, et on voit quand même qu'il y a une complexification dans le temps. Peu importe la signification de la chose, l'art se complexifie. Les graphismes, pardon, moi aussi je me fais avoir, les graphismes se complexifient. Ça c'est indéniable, je pense que tout le monde peut se mettre d'accord là-dessus. Mais si on pense que le symbolisme, je suis tout à fait d'accord, il y a sans doute du symbolisme là-dedans, mais le symbolisme, ça dépasse de beaucoup l'humanité. Il y en a dans les plantes, on peut parler de symbolisme pour certaines plantes, pour des tas d'animaux, c'est une notion qui dépasse beaucoup ce dont on est en train de parler. Même s'il y a du symbolisme dedans. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le bon outil. Voilà. En tout cas, on a la complexification, on a quelque chose qui est de l'ordre du mythe, c'est-à-dire de la parole. Et là, peut-être que c'est là qu'est le nœud du problème. C'est qu'il y a de la parole. Et la parole, il y a parole et parole. Moi, je pense que, comme vient de le dire Francesco, les hommes modernes qu'on a considérés comme modernes, comme un gros bloc, les hommes modernes, depuis qu'ils apparaissent jusqu'à aujourd'hui, bon, ben, c'est des hommes modernes. On préfère souvent dire anatomiquement moderne plutôt que moderne, parce que moderne, c'est aussi fortement connoté. Mais disons, en gros, ben voilà, c'est un gros bloc. Ben non, on s'aperçoit que c'est pas vraiment un bloc, qu'il y a une évolution, que les plus anciens, ils étaient différents. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient archaïques ou primitifs ou je ne sais quoi du genre. Ils étaient différents de ceux qui... Il y a eu une évolution. Bon. S'il y a eu une évolution qui se reconnaît biologiquement, on a des indices, eh bien, dans la parole, il n'y aurait-il pas eu également évolution ?
Et là, alors c'est une question vertigineuse, bien entendu, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, y compris des linguistes, etc. On touche là à l'origine du langage. Voilà. Et tout le monde est d'accord, maintenant il n'y a plus de discussion pour dire bah, Néandertal, évidemment, qu'il parlait, qu'il communiquait, qu'il avait un langage. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, quel langage ? Est-ce que c'est le même langage que celui que je suis en train d'utiliser là ? Moi, je n'en suis pas sûr du tout. Il y a langage et langage, et pour faire bref, il y a un langage qui fonctionne très très bien, avec lequel on peut faire tout ce qu'on vient de voir. On peut fabriquer des bateaux, on peut organiser des battues, des chasses, etc. Et c'est un langage qui consiste à dire, par exemple, « Moi, demain, chasse mammouth. Toi, venir ?» Tout le monde comprend. Et on peut même faire de la philosophie comme ça, en disant, par exemple, « Père avare, fils prodigue. » Et ce n'est pas du tout le même langage que de dire « Je vais te raconter une histoire parce que ça va être utile plus tard. » Cette histoire m'a été racontée par mon grand-père un jour qu'on se trouvait dans la forêt et qu'on s'était perdu. Et il m'a dit « Écoute, je vais te dire un truc que mon oncle m'a raconté parce qu'il m'a dit, en me racontant cette histoire, que justement, etc. » Et je continue comme ça. On voit bien que ce n'est pas le même niveau de langage. Et comme les images, supposons-nous, mais là je pense que c'est pratiquement indéniable, elles sont en rapport avec le langage et en rapport, et le mythe, forcément, c'est du langage, eh bien, là aussi, il y a mythe et mythe, il y a récit et récit, et on peut comprendre que tout ça a évolué, disons, concurremment, en même temps, et moi, je pense que le langage et les graphismes de anté-néandertaliens, néandertaliens, et puis ensuite, premiers hommes modernes, etc., ne sont pas les mêmes au cours du temps, et qu'il y a eu un moment où s'est développé un type de langage qui permet de raconter des mythes complexes. Il y a même des linguistes qui pensent que c'est à cause de ça que le langage s'est développé, par le besoin de raconter des choses complexes qui remontent au passé, etc., avec des incises, etc. Il y a des thèses de linguistes là-dessus. Eh bien, je pense que là, c'est complètement lié, et ça expliquerait pourquoi, effectivement, dans les grottes, à un certain moment et ailleurs, on voit apparaître quelque chose dans laquelle nous, qui parlons ce type de langage, nous reconnaissons nous-mêmes et nous appelons ça de l'art. Merci. Alors, encore une question peut-être, il nous reste 5 minutes. Je crois que Michel Laure Blanchet fait un parallèle entre la grotte et la femme en tant que créatrice de vie. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du rôle de la femme, déjà en tant qu'artiste et en tant qu'inspiration de mythes dans le cadre du mythe de l'émergence, par exemple ? On en a parlé un peu lors de la dernière séance, si vous me lancez là-dessus. Alors, je vais être très honnête avec vous. Pour le rôle de la femme dans la création des images, je n'ai aucune preuve archéologique que ce soit plus un homme qu'une femme. Voilà, ça, ça laisse pas de traces, par contre. Alors, cette étude sur les mains négatives, elle a fait... il y a eu des articles, j'ai même repris avec Gilles Tozzello et Margaret Conquet dans un article qu'on avait publié il y a quelques années. Or, il s'avère que c'est pas si clair que ça. Voilà. Mais, quelque part, quand on a des mains positives ou soufflées négatives dans les grottes, ce sont généralement des petites mains. Il n'y a pas de grandes, grandes mains. Et malgré tout, alors, il existe un dysmorphisme sexuel aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que ce soit si évident au paléolithique, parce que moi, je ne sais pas dépecer un renne. Et je vous assure que quand on dépece un renne, on a des capacités, et puis des systèmes, on a des mains un peu plus grandes, etc. J'avais une grand-mère qui faisait du travail manuel. Elle n'était pas très grande, et puis elle avait des mains assez costauds. C'est compliqué pour les mains. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours moi quelque chose qui me gêne. Juste une anecdote. Hein. Le tuc de Doubert, il y a des empreintes de pied à 500 mètres de l'entrée dans un réseau fossile supérieur où il a fallu prendre une cheminée de 10 mètres par où ils sont passés parce qu'ils ont fait des dessins à la voûte de la cheminée. L'empreinte. J'ai mis le pied dedans, mais d'un moulage, parce qu'elle a été moulée en mille... vous inquiétez pas. Elle a été moulée très, très anciennement, donc Robert Bégoin a un moulage. Et évidemment, mon pied rentré dedans, c'était un 36,5. Et là, ces empreintes ont toujours été interprétées comme des empreintes d'adolescents. Je dis bien d'adolescents. Voilà, j'ai dit à Robert Bégoin, jour-là, je suis une éternelle adolescente.
Voilà. C'est-à-dire que de toute manière, on a un problème sur l'interprétation de certains éléments dans les grottes. Les pieds petits sont des empreintes d'adolescents et on ne pense pas que ça puisse être des empreintes de femmes. Moi, je fais un petit 36,5 quand même. Voilà. Et puis, au tuc de Doubert, pareil, là-haut, il y a des empreintes d'un enfant de 3 ans. Alors, si on avait trouvé les empreintes de l'enfant de 3 ans dans le réseau fossile inférieur où il y a des aires de séjour à côté de l'aire de séjour, on aurait dit, ah bah tiens, ça, c'est les empreintes d'un enfant de 3 ans, il est avec sa mère. Par contre, quand on retrouve très proche des deux bisons sculptés en argile, c'est des enfants, un empreinte d'un enfant de 3 ans, mais qui est en haut avec des hommes. Bon. On va passer là-dessus. Oui, donc, si voyez que dire quelques mots sur cette affaire. C'est pas seulement une question de taille des mains, c'est aussi une question de rapport de taille des doigts. Hein, non, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est statistiquement, c'est une statistique. D'un autre côté, ce qui est intéressant dans ces hypothèses qui émergent aujourd'hui, c'est que ce sont des hypothèses. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'argument pour absolument, il n'y a pas non plus d'argument contre. Et qu'on peut toujours dire qu'il y a la possibilité pour des femmes d'avoir, et pourquoi pas, d'avoir des pieds qui font du 36,5 plutôt que ceux d'adolescents. La preuve. Voilà. Donc, je pense que la question est ouverte, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se pose. Voilà. Alors, c'est intéressant. Et puis surtout, je ne vois pas pourquoi... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord tout le temps avec les arguments de Testard, hein, donc je le dis franchement, mais je ne vois pas pourquoi les paléolithiques se seraient privés d'une femme qui sache très bien dessiner. Parce que c'était une femme. Alors, je ne veux pas non plus projeter les problématiques actuelles sur des sociétés du passé, mais je pense qu'on est dans des systèmes sociaux différents et qu'il faut faire tomber un certain nombre de barrières sans pour autant tomber dans l'excès non plus. Voilà. Alors, on a peut-être fini là. Je m'excuse, on doit terminer. Alors, est-ce qu'on avait quelque chose à entendre? Je crois que pour terminer, ce serait bien d'entendre le son d'un instrument préhistorique. Qui est? Est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit? Alors, il s'avère que je travaille dans une grotte qui s'appelle Marsoulas. Découverte enseignement anciennement puisqu'en fait ça a été la première grotte découverte dans les Pyrénées en 1897 et qu'on a repris récemment avec Gilles Tozzello les collections et que dans ces collections il y a un coquillage 30 cm de long 20 de large, qui est un Caronia lampa, c'est ce que nous on appellerait une conque polynésienne. Or, ce coquillage, il a été fracturé, l'apex a été cassé, il a été orné de points à l'ouverture, le bord de la colomelle a été complètement aménagé, et au muséum, il y a quelqu'un qui s'est mis à souffler dedans. Et ça a fait du bruit, ça a fait ce bruit-là, donc on a étudié l'objet dans un laboratoire de perception sonore. À Toulouse avec Pascal Gaillard, Julien Tardieu et on a enregistré le son et ça a été publié en début d'année dans Science Advance. Donc ça veut dire aussi que on connaissait des flûtes, hein. On savait qu'il y avait des flûtes utilisées en hôtes de vautours, etc. Mais là on fait dans une grotte ornée entrer une dimension sonore. Alors des études avaient été déjà faites, hein, dans les années 80 par Devoix, Rechnikov, mais aujourd'hui on a d'autres outils pour travailler sur le son, sur la modélisation 3D entre autres, et c'est des études qui vont se faire dans les mois qui viennent là. Oui, l'art c'est aussi les arts du son. Les grottes sont aussi sonores, voilà. Il faut jamais l'oublier. Alors, est-ce que nous avons une minute pour donner la parole très rapidement à nos deux orateurs pour conclure? Je pourrais conclure en disant que un signe n'est pas nécessairement quelque chose de visible, ça pourrait aussi être un son. Parlez dans le micro parce qu'on vous entend mal. On n'a pas entendu. Mais... Je dis qu'un signe n'est pas nécessairement quelque chose qu'on grave ou qu'on peint. Un signe peut aussi être sonore et peut renvoyer à une signification qui est autre que la production elle-même du son. Donc il ne faut pas oublier dans le monde symbolique aussi qu'il peut s'exprimer de façon différente.
Merci. Alors, Jean-Louis, un dernier mot. Je voudrais insister sur le fait que, de toute manière, on ne peut faire que des hypothèses et qu'on ne saura jamais, absolument jamais, ce que les images ou les graphismes représentaient. Mais ça n'empêche pas d'essayer et de continuer d'essayer. Et comme disait l'autre, continuer à rater, mais rater mieux. Bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est une belle conclusion. Et nous vous remercions. Au revoir. Merci, merci à toutes et à tous. Au nom de la Bibliothèque publique d'information, je vous remercie. Merci Claudine pour votre animation sur cette séance et les précédentes d'ailleurs. Merci aussi à nos trois intervenants ce soir, Carole Fritz, Jean-Loïc Lequelec et Francesco Derico. Je remercie bien sûr aussi les collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit enregistrée, diffusée en direct. Vous pourrez la revoir d'ailleurs dès après cette séance en replay sur le compte Facebook de la BPI. Et puis là, vous la reverrez aussi dans quelques semaines aussi. Elle sera disponible sur la web télé de la BPI ainsi que sur notre chaîne YouTube. Si cela vous intéresse et si vous voulez prolonger aussi la rencontre, je vous invite à télécharger sur le site de la BPI la bibliographie sélective proposée par les collègues de la bibliothèque, dans laquelle vous retrouverez un certain nombre d'ouvrages de l'ensemble des intervenants de cette séance et des précédentes. Et vous pourrez d'ailleurs retrouver toujours sur le compte Facebook de la BPI les séances précédentes, ainsi que la séance d'introduction au cycle que nous avions enregistré avec Claudine, dont j'ai oublié d'ailleurs de préciser tout à l'heure que Claudine Cohen était la conseillère scientifique de l'intégralité de ce cycle. Très bonne soirée et à bientôt.